Attends, je vais lever mes lunettes parce que ça fait un reflet de malade. J'ai même pas fait gaffe, je suis vraiment con. Alors 2 secondes les gens, juste le temps. Parce que ce truc c'est chiant à chaque fois, je comprends pas pourquoi ça fait ça. I don't understand. Hop, hop, juste pour mettre le chat ici. Voilà. Nickel, c'est pas magnifique? C'est pas un peu plus magnifique? Franchement? Franchement? Wouh! Hey, what's up? C'est le Glow pour une vidéo? Non, pour un nouveau live. Pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, les gens. On commence déjà avec un don? C'est fou ça, on commence déjà avec un don de 1 franc suisse. Merci beaucoup à toi, à la personne qui a fait le don de 1 franc suisse. Merci beaucoup à Nono Arthur, ça fait grave plaisir. Gros bisous à toi. On commence déjà avec des dons et des membres. C'est incroyable. Tu vois, quand le live commence de manière pétante comme ça, c'est que... Ok mec, j'ai bien reçu le message. Alors merci beaucoup à Foxy Roxy pour le don de 2,99€, ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Avant de commencer le live, n'hésitez pas à bombarder de likes, voilà, c'est nickel. Valentin Bienfait, bienvenue à toi chez les démons. Chez les démons pour ton premier mois. Les gars, un maximum de GG Valentin dans le chat. Un maximum de GG Valentin dans le chat les gens. Un maximum de GG Valentin dans le chat. Alors les gens, comme vous le savez, voilà, là vous avez, je pense que vous avez pris un petit peu l'habitude. Voilà, je pense que vous avez pris un petit peu l'habitude. Non, plus sérieusement, live radio ce soir aujourd'hui, voilà. On va se raconter des petites histoires entre nous, voilà. Voilà, GG Valentin dans le chat, c'est Valentin, c'est le frérot, voilà. Maintenant là, c'est le frérot. Ok mec, alors il y a beaucoup de membres qui rejoignent là, c'est ça? Allô mec? Ça a dû couper la transmission ou un truc comme ça. Bref, je vous drop le lien du Discord, du coup pour participer au live, je vous envoie ça dans le chat, alors attendez. Voilà les gars, je vous envoie le lien dans le chat, normalement vous avez le lien. Du coup, bienvenue également à Nathael Horror Story qui est devenu un ange, bienvenue à toi, ça fait grave plaisir, merci d'avoir rejoint les membres. Et bienvenue également à Grégory Payette, voilà, qui est un ange aussi depuis plusieurs mois, merci beaucoup à toi mec, ça fait grave plaisir. Bref, vous m'avez l'air, est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Est-ce que vous êtes chaud? Are you ready? Est-ce que vous êtes chaud les gars dans le chat? Moi j'attends vos messages dans le chat parce que vous m'avez pas l'air chaud du tout. Voilà quoi. Donc qu'est-ce que vous êtes chaud dans le chat les gens? Oui, ouais, 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 ok, ok, vous avez l'air plutôt chaud. Vous avez l'air plutôt en forme, ok, 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 je vois, ouais, 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 ouais. Du coup les gars, on commence tout de suite, on commence maintenant. We're gonna begin. On va commencer, c'est parti, let's go. Oula, beaucoup d'argent, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Merci beaucoup pour vos dons, les gars. Merci beaucoup, Saint Nicolas YouTube, pour tes 2 euros. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, mon pote. On va commencer. Comment c'est avec cette personne? Pourquoi elle est pas venue? Wesh. Ouais, mon pote. Allô, allô. Tu peux réactiver ton micro, mec? Comment tu vas? Bah ça va tranquille mon pote, et toi? Putain, je bug énormément par contre, ça va vite me saouler. Bah ok. Bah du coup, est-ce que tu as une histoire à nous raconter du coup mon pote là, pour commencer le live là? Je bug trop par contre. Tu vois, ça commence déjà, je vais me retrouver à péter des trucs. On n'est pas là pour ça les gars, on n'est pas là pour péter des trucs, on est d'accord. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, ouais, pour ceux qui ont... Je vous ai mis le lien du Discord dans le chat, les gars. Ouais, mon pote, tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Allô, allô, est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Les gens le font exprès, c'est un truc de fou. Les gens le font exprès. Les gens le font exprès, c'est pas possible. Ouais, mon pote. Ça va ou quoi? Tu peux activer ton micro? Allô? Ouais. Ouais. Ça va ou quoi, mon pote? Ouais, ouais, ouais. Je vais très bien. Ah bah nickel, mon pote. Tu chuchotes beaucoup, là.
Ouais. Je vais te raconter une histoire. Ah bah vas-y mon pote, régale-nous là, raconte-nous une histoire là. C'est l'histoire que je vais te raconter. C'était 20h. C'était 20h, ouais. C'est quoi ce bordel là? En fait, comment c'est le live? Il se passe déjà des trucs chelous là. C'est quoi ce bordel en fait? Foxy Roxy, merci beaucoup pour ton don de 5,49€. Ça fait grave plaisir. Il y a des nouveaux membres qui ont rejoint. Bienvenue à Léa Zarb qui est devenu un démon. Un maximum de GG Léa dans le chat, les gars. Maximum de GG Léa dans le chat. Ah ouais, un maximum de GG Léa dans le chat là. Donc ce soir, on a deux démons qui ont rejoint la chaîne. Ah, franchement, ça fait plaisir. Non mais franchement lui c'est vous voyez le titan colossal et tout, lui c'est le titan chuchoteur en fait. C'est à dire qu'il chuchote. Ah, il chuchoteur. Ouais mon pote. Allô allô. Beaucoup d'argent. Merci beaucoup Foxy Roxy pour ton autre don de 2,29€. Ça fait grave plaisir mon pote, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Allô mec, allô Matsumisu. Oui. Ouais ça va quoi mon pote? Ça va et toi mon pote, ça va? Ouais tranquille mon pote. Alors du coup raconte-nous là mon petit démon, raconte-nous si t'as une petite histoire là. En fait j'ai une histoire mais t'as vu, elle est pas hyper longue, t'as vu? Ouais vas-y mon pote, vas-y. Tu vois des fois, comme tu vois maintenant je suis au collège, je suis en 3ème. Ouais. En gros, je finis presque tous les jours à 17h. Ouais. Et je suis toujours chez moi. Ouais, ok, ouais. Et genre, je rentre. Bonne nouvelle. Et à chaque fois, genre, mec, je me pose devant ma play. Et la tête de ma mère, des fois, il y a des bruits derrière moi. Comment ça, genre, derrière ta nuque, genre? Non, pas derrière ma nuque. Chez moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui marchent. Alors qu'en fait, il y a personne. Ah ouais, genre t'entends des bruits de pas, des trucs bizarres comme ça et tout. Ouais. Oh non, attends, tu vois, genre des fois il y a des portes, j'ai l'impression qu'elles s'ouvrent et tout. Quoi? Mais c'est tellement bizarre. Ouais. Y a quelqu'un qui a égorgé une chèvre non, chez non, toi y a ou quoi? Personne, je sais pas. Non, en fait c'est soit moi qui m'en fous, soit je sais pas. Hein. Bah après en vrai gros ça peut être des volets, ça peut être beaucoup de trucs, mais ouais c'est vrai que c'est vraiment chaud ton truc. Hein. Et ouais, du coup, t'en as parlé à tes parents ou quoi? Non. Si j'en parle à mes parents, je vais... Pourquoi, genre, ils vont t'envoyer à l'église ou un truc comme ça, tu penses? Non. Bon, bah, c'est jamais, hein. Toi aussi, t'es taré, toi, à l'église. Ils vont t'amener à l'église pour un exorciste et te dire, Jésus a dit, il faut te calmer, monsieur. Bah, ok, mon pote. Du coup, c'était ça ton histoire, mon pote? Ouais, désolé si elle était pas hyper longue. Hein. Non, c'est nickel, gros. Si elle est courte, c'est nickel, mec. Mec, c'était un plaisir de parler avec toi. Hein. Ah, bah, avec plaisir, mec. Avec plaisir, c'est toujours kiffe un plaisir. Kiffe ta chaîne, tes vidéos, continue comme ça, mec. Merci, mec. Je vais rougir, mec. Merci hein beaucoup, mec. Vas-y, mec. Vas-y, mec. Grosse force à toi. Merci, mec. Il y a eu beaucoup de necks pendant cette conversation là. D'autres membres ont rejoint la chaîne. Manu Gatti, bienvenue à toi chez les anges, ça fait grave plaisir. Ainsi que Cassilia Pedraja. Pedrajas. Ben merci beaucoup à toi d'avoir rejoint les anges, ça fait grave plaisir. C'est quoi l'idée de ton Discord? Vous inquiétez pas les gars, au fur et à mesure que j'inviterai des gens à parler, je vous enverrai le lien du Discord sur le chat, mais en attendant, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de pouces bleus, et de péter ce live. Tu vois, il y a des dons de partout, il y a des membres de partout. C'est incroyable. Ouais, allô mon pote Imo. Ouais, mon pote, si tu pouvais réactiver ton micro, s'il te plaît. Ouais, mon pote. Salut, ma couille. Allô, mec. Allô. Ouais, ça va ou quoi? Ça va très bien, et toi? Non, tranquille. Bah, du coup, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Bah, ça va très bien. Nickel, mon pote, nickel. Alors, du coup, est-ce que t'as une histoire à nous raconter, mon pote? Bonne nouvelle, un nouveau membre à rejoindre la chaîne.
C'est... Quand j'étais petite. Hein. Quand quoi? Quand j'étais petite. Ouais, non, non, je vais avoir des problèmes. Même si j'ai rien fait, j'ai rien dit, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des soucis, non. Même si j'ai rien dit, j'ai rien fait, je vais avoir des soucis. Non. Quand j'étais petite, elle a 5 ans, il a 5 ans le bordel quand j'étais petite. Zèrement. Non. Tu auras des problèmes alors que j'ai rien fait du tout. Voilà. Je préfère prendre des précautions sur, à ce niveau-là. Voilà. Je préfère prendre des précautions, les gars. Voilà. Bonne nouvelle, un nouveau membre a rejoint la chaîne. Allô. C'est un truc de dingue. Non mais les gars, on est bien d'accord. Franchement, je préfère prendre mes précautions. J'ai pas envie de... Je sais. Laissez-moi tranquille, moi. Ouais, mon pote. Alors, pas ça, t'as dit, y a eu des nouveaux membres, là. Sérieusement. Ouais. Et bienvenue à Rose Channel, c'est des gens. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à toi, ma pote. Ouais, allô. Ouais, j'ai une histoire, Lupin. Ah, vas-y, raconte-nous, mon pote. Raconte-nous, mon pote. Fais-nous plaisir, là. Vas-y, on est chaud, là, Raizor. Là, on est chaud. J'étais petit. T'étais petit, ouais. T'inquiète. Laisse-moi t'en. Attends, mon pote, on entend vraiment pas ce que tu dis. Oh, je sais pas pourquoi ça me coupe. Au pire, je laisse passer mon tour, ça te va. Ben vas-y, gros, je repasserai te voir après si j'oublie pas. Vas-y, mon pote. Vas-y, ciao. Vas-y, mon pote. Tu vois, dans la commu, il y a des gens comme ça qui laissent leur place, qui, tu vois, qui font des donnes de place, c'est magnifique. Coco Simonien, bienvenue à toi chez les gens, ça fait grave. Putain, il se passe quoi avec les membres aujourd'hui, là? Là, tous, vous voulez rejoindre, c'est ça, en fait? Parce que vous avez compris. Et bienvenue à toi, ça fait grave plaisir, bienvenue à toi chez les anges, plutôt. Et je me trompe, putain, c'est faut faire attention. L'Onyx, bienvenue à toi chez les bébés démons, ça fait grave plaisir. Grosse dédie à toi, ça fait grave plaisir. Merci d'avoir rejoint les bébés démons. On va passer à quelqu'un d'autre, les gens, on va passer à quelqu'un d'autre. Alors, attendez. Hop. Allô. Allô, allô. Allô. Ouais. Allô. Oui, allô. Oui. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bah du coup, est-ce que t'as une petite histoire à nous raconter là? Oui, mais une petite, pas beaucoup. Désolé. Les gars dans le chat, commencez pas s'il vous plaît, commencez pas. Vas-y, du coup, raconte toute ton histoire là. Alors, en fait, ça a commencé en vacances. Ouais. Il y a 2 ans. En Espagne. En fait, mes parents, ils ont loué un appartement assez grand. Au début, j'aimais bien. Genre, ouais. Il n'y avait pas de problème, tu vois, c'était beau, genre, c'était tranquille. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, il y a des moments où je me retrouvais toute seule. Ouais. Parce que c'était un peu compliqué, donc des fois, je ne sortais pas trop. Il y avait des petits problèmes. Et au bout d'un moment, je commençais à entendre des bruits de pas. Des bruits de pas, comme des murmures, alors que j'étais toute seule chez moi. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur. Genre, je pouvais pas aller dans ma chambre le soir, je pouvais pas dormir. Je ressentais comme une présence, en fait. Mais t'es sûr que c'est pas quelqu'un qui était là ou que ça soit la série... C'est pas la série Netflix que t'étais en train de regarder, ce que tu nous racontes, là? Non, même pas. Genre, il y a des moments où j'étais vraiment toute seule chez moi et j'entendais des pas. Je commençais à avoir peur. La nuit, en fait, j'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un et que j'étais pas toute seule. Non, ouais. Et en fait, ça a continué. Et la deuxième année, quand on est reparti dans le même appartement, moi, j'ai supplié mes parents parce que je voulais pas. Je voulais pas aller... En fait, je sais pas, dans cet appartement, je sens des trucs bizarres. J'arrive pas à me sentir à l'aise. Ah ouais, genre, c'est charmé, genre, tu sens des trucs et tout. Ouais, genre, c'est bizarre. Et je mangeais plus, enfin, je pouvais pas dormir dans ma chambre, c'était trop bizarre. Ouais. Genre, vraiment. C'est sur Aliwell, ouais. Et du coup, après? Et du coup, une fois, j'ai essayé de dormir dans ma chambre. Parce que je me suis dit, vas-y, c'est peut-être moi, genre, y a rien. J'ai essayé de dormir dans ma chambre. Et à un moment, la nuit, j'ai senti comme... genre, il y a un truc qui m'a réveillée, comme quelqu'un qui m'appelait. Donc, je sais pas si c'était mes parents ou quoi. Ouais. Mais étant donné que moi, j'avais peur, je pouvais pas rester dans la maison toute seule, en fait. Je pouvais pas. Et comme ici, chez moi, j'ai déjà vu des trucs.
Ben, du coup, ça m'a grave traumatisée, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est moi ou s'il y a des trucs, mais je sais pas. J'ai jamais su ce que c'était. Et ça, ça s'est passé tout le temps dans le même appart, genre. Tout le temps. Alors que d'habitude, on prend d'autres appartements, mais depuis qu'on a celui-là, il y a un truc. Je sais pas. C'est trop bizarre. T'es sûr que tu regardais pas Netflix ou quoi, ou un truc bizarre comme ça? Non, je te jure, il y a. Non, même pas. Et même, il suffisait juste que j'écoute de la musique. Dès que je ressentais un truc, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais. Ouais. Donc, j'ai jamais eu de réponse, je sais pas. On va se pencher sur ce cas-là, ouais. Parce que ça m'a l'air bizarre. Même dans le chat, ils disent que... Les gars, vous êtes d'accord, c'est bizarre un peu. Il y en a plein dans le chat qui disent que c'est mytho, que c'est fake, que c'est bizarre, que... Qu'est-ce qui ferait, dans ton témoignage, qu'est-ce qui ferait que... on pourrait se dire, ah ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Ben, ce qui est bizarre, c'est que par exemple, dans les autres appartements où on va, j'ai jamais rien ressenti, jamais toujours été tranquille, bien profité. Et là, que dans celui-là, tous les ans, ça fait déjà 3 ans on va dans celui-là, je peux pas, je dors pas ou j'arrive presque pas à manger parce que limite j'ai peur, j'ose pas rester dans cet appartement, j'arrive pas. Je pleurais, il y a des nuits où je pleurais, enfin c'était. Je sais pas, c'est trop bizarre, pourquoi pas les autres et celui-là? Enfin, je sais pas si je sais pas. Ouais, c'est bizarre tout ça. Ouais. Ouais. Donc. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent fake dans le chat. Ouais. Ouais, mais. C'est bizarre comme histoire quand même. C'est bizarre. En fait, elle est vraie. Enfin, moi, je peux dire que c'est vrai. Après, les gens. Oui, oui. Bah oui. C'est comme si tu disais, quelque part, je suis le cousin de Gad Elmaleh. Moi, je dis que c'est vrai. Bah oui. Mais, d'accord, ok. Donc, t'entendais des bruits chez toi. Donc, au chalet en Espagne, ou je sais pas où, là-bas. Et, tu sentais une présence, quoi. Tu sentais comme s'il y avait quelqu'un qui te regardait, oui. Qui te suivait. Qui... Oui, que j'étais pas toute seule. Ouais, et même quand mes parents ils étaient là, je ressentais cette présence. Et il n'y a que dans cet appartement que ça fait ça, donc je sais pas. Ah, d'accord, je vois. Ok. Et voilà. D'accord, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de m'avoir écouté. Écoute, on écoute tout le monde, même les mythos, on écoute tout le monde ici. Et écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Et je voulais juste te dire que j'adorais ce que tu fais. Et je te suis depuis les imitations que tu faisais sur ta chaîne avant. Ça fait longtemps ça, ouais. Ça fait longtemps. Voilà, que continue comme ça et voilà. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Très bizarre tout ça. Très bizarre. Très bizarre tout ça. Je sais pas pourquoi. Il y a une arrière-odeur de Netflix. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est très bizarre. Il y a un nouveau membre qui rejoint la chaîne, Mika Bébé. Bienvenue à toi chez les bébés démons, mec. Bienvenue à toi, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Merci aux gens qui font des dons, etc., etc. C'est grave cool. On va passer à quelqu'un d'autre. Alors attendez, je vous remets un nouveau lien du coup dans le chat. Je vous remets un nouveau lien dans le chat. Alors attendez. Hop là. À chaque fois, il y a que 100 personnes qui peuvent rejoindre parce que sinon, ça fait n'importe quoi sur le serveur. Ouais, non, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il y a un arrière-goût de Netflix un peu, tu sais, de tout doux. Très bizarre tout ça. Merci beaucoup pour le don, pour les 1 France-Suisse, Nano, Actor. Merci beaucoup à toi, mec. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. On va passer à quelqu'un d'autre. C'est parti, let's go. On va prendre lui. Narvalo. J'aime bien. Il me fait penser aux anciennes vidéos de Mister Willu. Ouais, allô, mon pote. Tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Mon pote. Allô? Ouais, mon pote, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, nickel. Tu vois, on l'entend à la voix, il y a le sourire, tu vois. Il y a le sourire aux lèvres. Tu vois. Arrête, j'ai trop mis tout à l'heure. Je mets des gens, j'ai trop envie. On l'entend. Ça va ou quoi, mon pote? Ça dit quoi? Ouais, tranquille. Nickel, mec. Alors, il faut mater, de toute façon. Il faut mater. Il faut regarder. Alors, mon pote, t'as une histoire à nous raconter ou quoi, là? Ouais. Bah, en fait, ça fait. Elle est un peu longue, par contre. Vas-y. Il y a quelques années, genre, c'était quand j'étais
bah avant la sixième déjà sûr. C'était dans une ancienne maison parce que j'ai déménagé entre temps. Et c'était une maison, en gros, à côté, il y avait un chantier. Et ce chantier, il était abandonné. Parce qu'il y avait le chef de chantier, il était parti en prison pour détournement d'argent, je sais pas quoi. Enfin, bizarre. Et, c'est bizarre, ouais. Ouais, ouais, je te jure. Et donc, du coup, ce chantier était abandonné depuis genre un an. Et du coup, avec mes potes, on a voulu y aller dans la maison, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, on est arrivé avec plein de potes en vélo et tout. On regarde la maison et puis on a perdu nos bols direct. Pourquoi il s'est passé quoi ? Du coup, on est allé chercher... Bah, en fait, la maison, elle était vraiment flippante. Genre, c'était tout délabré. Il y avait des herbes qui avaient poussé parce qu'il n'y avait plus personne qui s'en occupait. Ah ouais, je vois. Et du coup, bah, on est allé chez mon pote. Je me rappelle, je te dis ça parce que ça me fait rire. Et on a pris des battes de baseball, des pistolets à billes. Et vraiment, je crois qu'on serait trop dans un film, en fait. Ça me fait trop rire. Attends, vous êtes grand malade. Non, mais t'es... on sait jamais, il y a un mec bizarre qui arrive et qui nous. Ouais, c'est Casa des Papel, ouais. La Casa des Aurore, voilà. Ouais, bah, du coup, vas-y, ouais. Petit et tout. Et donc, du coup, on rentre dedans. Et on est allé à deux à tour de rôle. Genre, on avait quatre ou cinq. On est allé à deux à tour de rôle. Et donc, on monte, premier étage, on voit des trucs bizarres, cassés, tout ça. Bon, bah, y a rien. Ouais. Deuxième étage, c'est tout noir, mais pareil, tout délabré, tout chelou. Ouais. Et donc, il y a un moment, on se dit, bon, bah, tant pis, y a rien, venez, on rentre. Et puis, on est tous flippés, donc ça nous arrangeait un peu tous. Et donc, on était devant la maison. Et en fait, tu veux, il y a plein de fenêtres. Et donc, sur la fenêtre du haut, j'ai cru voir, mais vraiment, enfin, j'ai vu, mais personne ne me croyait. J'ai vu une silhouette, mais genre, pendant deux secondes. T'as vu une silhouette pendant deux secondes? Bah, en fait, je regardais la fenêtre, et du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette. Du coup, je l'ai fixée, j'ai détourné le regard, et il était plus... Mais genre, vraiment, c'était psychologique, j'ai cru voir un truc. Donc... Ça avait quelle forme, à peu près? Genre, c'était plus silhouette féminine, masculine? Non, c'était de premier souvenir, c'était un homme. C'est une silhouette un peu comme une ombre, on va dire. Ouais, Et du coup, bah, je disais mes potes, mais ils me croyaient pas. Et du coup, bah, je pensais que j'avais rêvé et tout. Et puis, longtemps après, je l'ai raconté à mon père, cette histoire. Puisqu'on parlait de ça, je sais plus quoi. Ouais. Et puis, il me disait qu'en fait, là où on habitait avant, c'était la campagne et tout, genre. Trop bien. Et du coup, là où on habitait avant, c'était un ancien bâtiment où on faisait du vin. Ouais, je vois, ouais. Le truc de vigneron, on écrasait là, les raisins, ouais. Tout ça. Voilà, voilà. On écrasait les raisins et tout. Et donc, il me raconte que le gars qui s'occupait de brasser le vin, tout ça, à force de respirer les vapeurs d'alcool et tout, il est tombé dans la presse. Il est mort dedans. What? Attends. Oui, voilà. Genre, à force de sentir l'odeur du raisin fermenté, genre de l'alcool. Ouais, voilà, voilà. Il a dû tomber bourré. Il était éclaté, il est tombé dans une machine de presse. Ouais, voilà. Il m'a raconté ça, mon père. Ouais, je me suis dit, vous habitez dans quelle ville, les gars, pour avoir des histoires comme ça dans vos villes, sérieux? Je sais pas, mais c'est mon père qui m'a raconté ça il y a longtemps de ouf. Et non, par contre, c'est vraiment, c'est la vérité, vraiment, je vous jure, c'est vrai. Je vous raconte tout ce que je me rappelle, quoi. Après, malheureusement, j'ai pas vraiment d'autres preuves, mais c'est ce que je me rappelle et que du coup, ça me paraît être une coïncidence, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est grave possible. C'est grave possible ce que tu racontes, c'est grave possible. Il y en a dans le chat qui disent que c'est possible. Il y en a qui disent que c'est possible. Bon. On va dire que nous te laissons le bénéfice du doute, mon ami. Nous te laissons le bénéfice du doute. Ah, ah c'est la pure vérité. C'est vraiment mes souvenirs, quoi. Non, mais ok. C'était ça ton histoire, mon pote? Ouais, ouais, c'était ça, c'est ça. Bon, ok, mec. C'était une bonne histoire, en vrai. Ça va, hein. Franchement, ouais, c'est peut-être pas fake, comme ils disent dans le chat. C'est peut-être pas fake, hein. Non, c'est pas fake. Ça a l'air beaucoup plus réel que la série Netflix de tout à l'heure, là. Franchement... Bah écoute mon pote, si c'était tout, merci beaucoup à toi pour ton histoire, ça fait grave plaisir.
Bah si, merci à toi. Et passe une bonne suite sur le live là si tu regardes. Ok, vas-y, merci. Nickel, mec, merci à toi, bonne soirée. Salut, salut. C'est le mec hein. En fait le mec il était tellement éclaté par la fumée du truc, il est tombé KO en fait. Il est tombé KO, il a vu Jésus. Jésus la la la. On va se calmer parce que là franchement il va se passer des trucs sinon ce soir. Alors attends. Il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle avait eu des relations avec un fantôme ou je sais pas quoi. Faut que je la retrouve cette personne. Faut que je la retrouve. Complètement taré. C'est-à-dire que dans le truc des histoires, elle a dit relation fantôme, c'est tout. Il faut que je la retrouve cette personne. Je sais plus, elle avait quoi comme pépé un peu. Elle a vu une pépé animée. Elle a vu une pépé d'animé, une pépé manga genre. Attends, c'est peut-être ça. Ouais, allô. Ouais, allô. Ouais, allô. Ouais, et tu peux baisser le son du live derrière s'il te plaît. Ouais, c'est bon, j'ai baissé. Non, merci. C'est toi qui m'avais dit que t'avais une relation avec un fantôme, mec? Non. Ah, ok. Ok. Ok, bah du coup, mec, ça dit quoi? Ça va ou quoi? Ok, calme-toi. Ah, tranquille, mon pote. Alors du coup, est-ce que t'as une histoire à nous raconter, là? Yep. Yes. Alors, il y a un an, j'habitais dans une maison. Et tous les soirs, à chaque fois le soir, quoi... chanter un esprit, c'est comme ouais l'avant-dernière histoire quoi. Genre c'est presque la même. Genre tous les soirs je ressentais quelqu'un qui me surveillait et tout, tu vois. Mais tu sais que ça en plus ça arrive à plein de personnes. Dans le chat ça vous est déjà arrivé ou pas vous? Par exemple de comment ça s'appelle? Genre vous êtes en train de dormir ou un truc comme ça, tu vois? Et quand vous êtes en train de dormir, genre vous sentez une présence ou un truc, ça arrive à beaucoup ouais. de personnes ça. Dites-moi dans le chat un peu. Et du coup il s'est passé quoi après? Après, un moment, à Noël, j'avais des potes. Ouais. Genre, c'était vers 22h, 23h presque. Et tout d'un coup, tu vois, vu que j'ai une sœur, il y a un nounours qui tombe tout seul. Genre, il n'y a personne en haut, et vu que j'ai un lit misaline, il n'y a personne en haut. Et un nounours tombe tout seul. Du coup, on commence à flipper, on commence à mettre avec nos téléphones le truc, là, la lumière. Et, ouais. Je sais pas, ça commence à être grave bizarre et... Ouais. Mais il y a plein de gens dans le chat qui disent que ça leur est déjà arrivé, quoi, ce que t'as dit, là. Genre, au moment où ils dorment, de sentir quelqu'un, de sentir un truc bizarre et tout, ça arrive à plein de personnes. En plus, j'avais un meuble, des fois, il craquait, c'était grave bizarre, en plus. Du coup, je dormais pas la nuit, tu vois. Ça, mon pote, quasiment. Je connais. Les trucs qui craquent, je connais. Ah, ouais. Ah, je connais mon pote. Et du coup, est-ce que t'as essayé de trouver une solution à ça ou est-ce que c'est peut-être quelqu'un de ta famille qui a fait non. que... Non, j'ai mis un habit rouge et c'est parti en fait. Un quoi? J'ai mis un short rouge pendant la nuit et c'est parti en fait. La tête de ma mère, c'est vrai. Attends, mon pote, parce que là, va falloir nous expliquer là, c'est quoi le game? C'est quoi, c'est un game du tout ou c'est quoi en fait? T'as mis un short rouge et le genou il est parti. Ouais, la tête de ma mère, c'est vrai. Ok, bah écoute, apparemment, les genoux c'est comme les taureaux, ça réagit au rouge, les gars. Donc si vous avez des genoux chez vous, mettez des shorts rouges. Hein, et mais ils la vont partir. La tête de ma mère, c'est vrai. T'as mis le short rouge et le genou il est parti. Il est plus revenu après. La tête de ma mère, c'est vrai. Bah écoute mon pote, tant mieux en vrai si le truc il est parti après. Ouais, après j'ai déménagé quoi. Enfin tant mieux quoi. Mais là j'ai plus rien quoi. Ouais, là t'as plus rien du tout. Bah c'est nickel mon pote, alors si t'as rien, tu peux faire tes nuits quoi. Ouais. Ouais, il a mis les shorts rouges, c'est parti. Oh quoi, c'est un truc de malade. Bah écoute mon pote, merci beaucoup pour ton histoire en tout cas, ça fait grave plaisir. Et passe une bonne soirée mon pote. Merci à toi aussi. Merci mon pote. Ah ouais, il est fou lui. Il a mis un short rouge et c'est parti. Très très fort hein. Franchement, très très fort hein. Très très fort. Plus fort que le crucifix. Oula, alors attends. Quelqu'un qui s'appelle Katsuni là. Je suis sûr que c'est lui qui m'avait dit qu'il avait une relation avec un fantôme. Les gars,
un maximum de likes. Je compte sur vous, encore une fois. On est parti. Je redrop le comment ça s'appelle, je redrop le lien quand on est à 2500 likes, les gars. Ouais, allô. Tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît. Ben non, parce que à tous les coups, c'est lui, je crois. Je sais pas, je sais plus, en fait. Non, allô, allô. Katsuni. Ah ouais, putain, en plus, je peux me faire bannir, non? Parce que c'est un nom de truc bizarre, non? Putain, je suis con. Ouais, allô. Ouais. Salut. Salut. C'est toi qui m'avais envoyé le truc comme quoi t'avais une relation avec un fantôme? Non, désolé. J'ai une question, mon pote. Oui, vas-y. Pourquoi tu t'es appelé Katsuni? Alors, c'est pas Katsuni, c'est Kitsune, parce que c'est une légende japonaise. Ouais. Ouais, bon, ouais, voilà. On va dire que c'est la légende japonaise. Du coup, mon pote... du coup, mon pote, est-ce que t'as une histoire à nous raconter, là? Non, désolé. Ah, ben ok, c'est pas grave, mon pote. En tout cas, tu nous as fait rire avec... Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Tu nous as fait rire avec la légende japonaise, là. Ouais, non, y a, sur internet et tu verras. Non, je vais pas le taper. Non, mais je vais pas taper, ça. Ça va aller, mon pote. Bah écoute, passe une bonne soirée, mon pote. Bah toi aussi, écoute. Hey, il croit qu'il va me la faire à moi, en fait. Il s'appelle Katsuni, il me dit c'est une légende de Japon, je sais pas quoi. Ne me prends pas pour un idiot, mon ami, ne me prends pas pour un bête. Ah ouais, il est fou, lui. Coq, chien, âne. Il me dit Katsuni, c'est une légende japonaise, il est fou, lui. Lui s'appelle Madara Uchiwa. Bah on va essayer de l'appeler après. Oula, non, par contre, un mec qui m'envoie coucou. Ouf. On va essayer quelqu'un d'autre. On va tester cette personne, les gars. Ouais, allô, mon pote. Commando. Tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît, mon pote. Ouais, non, mais c'est un vrai malade, ce mec. Ouais. Ouais, mon pote, ça va ou quoi? Ouais, tu m'entends? Ouais, nickel, mon pote. Tu peux baisser le son du live derrière, s'il te plaît? Ouais, c'est bon, je vais enlever. Non, merci, mon pote. Ça va ou quoi? Ça dit quoi? Ouais, ça va, et toi? Ouais, nickel, ça va, mon pote. Alors, dis-moi le sang. Est-ce que t'as une histoire à nous raconter, là? Ouais, j'ai une histoire de ouf. Vas-y. Fais-nous plaisir, là. C'est flippé, franchement. Fais-nous plaisir, vas-y. Voilà, j'étais chez moi, dans ma maison, tranquille. Ouais. Et tu vois, je me suis endormi. Et en fait, je me suis réveillé, tu vois. Ouais. Enfin, c'est logique. et en fait, il faut savoir que ma porte, elle était ouverte. Et devant moi, en fait, c'est un grand couloir. Ouais. Ouais. Et du coup, je commence à me réveiller comme ça. Et là, la porte, elle est ouverte. Et je vois un ombre, là, tout au fond du couloir. Tu vois une ombre? Tu vois, là, je commence à... Ouais. Ouais. Enfin, un truc bizarre, je vois comme un mec, tu vois. Du coup, j'y vais, tu vois. Genre, je me lève. Et là, je commence à sentir un truc dans mes cuisses, tu vois. Donc, c'est toi qui as une relation sexuelle avec un fantôme? Non, c'est pas moi qui suis. Parce qu'il y a un abonné, il m'a envoyé ça, en fait. Tu commences à parler de sensations sur les cuisses de... Non. En fait, la sensation dans les cuisses, en fait, c'était comme si je me suis chié dessus, en fait. Vous êtes des vrais fous malades, les gars. Sur la radio, vous êtes des vrais fous. Parce qu'en fait... Non, mais... Attends. En fait, je me suis vraiment chié dessus parce que j'ai eu peur. Parce qu'en fait, dès que je me suis levé, tu vois, parce que mon lit, en fait, il fait du bruit. Parce que j'ai sauté dessus. Et, genre, ça grince un peu. Ouais. Et quand je me lève, tu vois, ça grince. Et du coup, dès que je me suis levé, tu vois, ça a bougé, le truc, il a bougé. Ouais. Voilà. Et voilà.
Mais c'est ça le truc, genre t'as vu une ombre et tu t'es fait caca dessus. Ah, enfin c'est caca, genre c'était pas, enfin voilà. Ah, tu nous as dit t'as fait caca. Le chat, il a dit il a fait caca ou pas? Il a dit il a fait caca. Non, tu t'es chié dessus, mec. Attends. Tu vois le mec qui s'appelle attends. Qui parle son bonne bug. Ouais. Tu sais, il parle trompette acopalique, c'est un truc comme ça. Ça a l'air intéressant en vrai. Bah vas-y mon pote, on va aller discuter avec lui alors. Vas-y. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler, mec. Bah ça fait plaisir aussi, mec. Ça fait plaisir aussi, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ton histoire, mec. On a bien rigolé. Merci. Vas-y, mec, passe une bonne soirée. Merci à toi aussi. Hey, t'es fou malade. Ouais, il m'a dit dans le plus grand des calmes normal, j'ai vu une ombre, j'ai senti des trucs sur mes cuisses, c'était mon caca. Des vrais fous malades, c'est un truc de fou. Mais c'est pour ça que je me kiffe, parce que vous êtes la meilleure des communautés. Les gars, tous dans le chat bombardés avec cet emoji là, celui-là. Bref, on est parti, on va discuter avec le mec là qui apparemment parle des trompettes de l'Acopalypse ou je sais pas quoi là, comme il a dit. Hein. Non, on va pas se moquer, il a confondu Apocalypse et Acopalypse, c'est pas grave. Par contre, il s'est mis en sourdine le pote. Du coup, je pense pas qu'il va pouvoir nous entendre là. Non, allô mon pote. Eh oui, mais mon pote, à un moment donné, si tu te mets en sourdine, je ne peux pas parler avec toi, en fait. Je peux pas parler avec toi. Ouais, mon pote. Ouais, le sang. Ça va ou quoi? Allô, tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Ouais, allô mon pote. Non, allô mon pote. Allô, ouais, d'ailleurs le mec, comment je lui attendais pas, c'est incroyable. Du coup, moi c'est une histoire sur les trompettes de l'Apocalypse. Ah, vas-y mon pote. Quand j'étais petit, j'étais dans une école dans le sud de la France et il y avait... On était en avril, un truc comme ça, et il pleuvait de ouf, en mode un été, on était en été, ouais. Il pleuvait de ouf, il y avait des éclairs et tout. Et là, je m'en et souviens. Du coup, moi qui étais fasciné par les éclairs et tout. Ouais. J'étais près de la fenêtre et je regardais du coup par la fenêtre les éclairs. Et là, on entend un gros bruit. En mode un bruit sourd et fort. Mais comme s'il était de loin, de grave loin. Ouais. Et moi, au début, il m'a fait penser à une baleine parce que j'étais petit, il est tombé. J'étais con. J'étais perché, voilà. T'as déjà entendu. Il m'a dit. J'ai entendu le bruit comme une baleine dans le ciel et il vous arrive quoi ce soir? Tu sais, si vous êtes donné rendez-vous quelque part, il faut le dire hein, quelque part. Coucou TikTok, j'ai vu qu'on me demandait sur le live. Coucou TikTok, j'espère que vous allez bien. Mais mec, ouais, t'as entendu un bruit de baleine dans le ciel? Mais non, c'était pas... Au début, je pensais que c'était une baleine, mais je me suis dit que c'était... C'était pas possible parce que tout simplement la mer, parce que j'étais près de la mer, mais la mer elle était grave loin. Je crois que c'était à Avignon. Et en fait, j'étais venu un an ou deux ans à Avignon. Ouais. Et donc, j'étais pas assez con pour me dire que c'était une baleine. Enfin, au début, je me suis dit c'était ça, mais je me suis très vite rendu compte que
c'était pas possible et que la mer, elle était au moins à 50 km. Ouais, mais est-ce que tu dis, gros, ce que tu dis, genre, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu ce bruit. Dans le chat, dites-moi si vous l'avez déjà entendu. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où dans le ciel, il y avait des bruits vraiment bizarres. Genre, des bruits, tu te demandes d'où est-ce que ça vient quelque part, tu vois. C'est le titan colossal qui refait son retour, c'est quoi le bail en fait. Mais c'est vrai qu'à un moment il y avait il a des... Pris une trompette, il a fait un solo avec une trompette. Ouais, il a fait un solo avec une trompette, il fait du jazz. Mais franchement c'est vrai qu'il y a une période où il y avait des bruits vraiment bizarres dans le ciel. En plus c'était en 2018, hein. En plus. Et c'est ton cousin, je crois que c'est ton cousin, Nanas. Yes, ouais, qui avait fait une vidéo sur ça, ouais. Et voilà, qui, ah ouais, qui c'est avait vrai, fait ouais. une vidéo sur ça et... Et je l'ai vu il y a pas longtemps et j'ai écouté les bruits mais ça m'a non ouais, ouais. J'ai fait wow, c'est wow. Que les bruits sont bizarres, ouais. On est corda, ouais ouais ouais, il y en a pas mal qui ont déjà avec qui avaient déjà entendu dans le chat, ouais. Bah c'était exactement le même bruit mais un bruit qui saturait, non ouais, en mode comme si t'entendais comme un micro. Et qu'on mettait des amplis juste à côté de toi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, genre, bah, saturé, quoi. Saturé. Ouais. On était en classe, et du coup, il y avait ma prof aussi. Et il y avait ma prof, il y avait tous mes potes et tout qui l'avaient entendu. Et elle nous a dit de nous mettre sous nos tables. Je comprenais pas pourquoi, mais après, je me suis dit... Parce que vous l'avez entendu en classe ? Je pensais que c'était un avion. Ouais, on l'a entendu en classe. On était en classe quand ah ouais. Et du coup, il y a le proviseur, il est venu. Et il a fait c'est un code orange ou un truc comme ça. Et vous allez pas pouvoir. C'était code orange rouge. Ça allait passer au rouge. Mmh. Et il nous a dit vous pouvez pas sortir pour l'instant. Non, vous n'allez pas pouvoir sortir. Et donc, on est resté jusqu'à 17h30, un truc comme ça. 17h, presque 18h. Et ça s'est calmé, et après ça s'est arrêté. Mais deux ans après ça, parce qu'en fait, en dessous de mon bâtiment, bon, ça c'est un autre truc, mais je pense pas que c'est relié. En dessous de notre bâtiment, c'est juste un truc comme ça, lambda, je le balance. En dessous de notre bâtiment, parce que j'habitais dans un quartier, et il y avait des souterrains. En mode, nous, on faisait de l'urbex en dessous, mais c'était vraiment des grands souterrains. Ouais, ouais, mais en général, dans tout ce qui est collège, lycée et tout, il y a des souterrains, des trucs en dessous, ouais, c'est vrai, ouais. Il y en a, ouais. Ben, ils sont obligés, après, pour stocker des trucs, des cours et tout, ouais. Non, c'était... Non, là, c'est hors cours. C'est hors cours, c'est deux ans après. Et du coup... en dessous de notre bâtiment, on s'était rendu compte qu'il y avait des souterrains et que en dessous il y avait laisse tomber, il y avait des toilettes, il y avait des frères, c'était le comment ça s'appelle ? Non, enfin, c'est une partie des anciens bâtiments qui sont plus utilisés maintenant, quoi. C'est ouais, comme des espèces de catacombes, pense. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, des trucs comme ça, mais c'était vraiment grand de ouf. Ouais, ouais. Donc nous on descend. Pourquoi ça bug ? Pourquoi ça a coupé ? Ouais, c'est un truc de fou, Discord. C'est un truc de malade. Arrangez votre application de merde qui pue. Elle est nulle, votre application. Elle est nulle. On l'utilise parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est tout. On l'utilise pas parce qu'elle est bien. C'est un truc de fou. Oh, Discord, c'est nul. Y'a rien qui marche. C'est nul, Discord. Allô ? Allô, allô ? Ça répond pas. Ça ne répond pas, this is not happening. C'était fake. C'était fake. Ouais, en vrai, je sais pas. Hein. Les gars, on est à 2400 likes, à 2500, je vous l'ai dit, mais je vous renvoie le lien du Discord. D'ailleurs, attends, je vais le préparer. Au moins, c'est fait. Hop, 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 hop. Nickel. Nickel, nickel. Nickel, bickel. Bah, du coup, on va reprendre une nouvelle personne. Allô ?
Allô mon pote, ça vaut quoi le sang? Tu peux activer ton micro s'il te plaît? Yo. Salut, ça vaut quoi? Ça va et toi? Ouais, nickel. Alors, est-ce que t'as une histoire à nous raconter, mon petit pote là? Ouais, c'est pas trop une histoire, mais en fait, c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Ah, ok, vas-y, raconte-toi. En gros, c'est la plupart du temps quand je suis seule chez moi, ben j'ai une particularité, c'est un peu bizarre, je sais pas trop comment l'expliquer. En gros, je peux entre guillemets ressentir les esprits un peu. Et en gros, tout le temps quand je suis toute seule chez moi, je ressens des choses à côté de moi et non. Charmed, non. Moi, je suis tout seul chez moi, les gars. Moi, je suis tout seul chez moi. À un moment donné, il va y avoir un bruit. J'y vais stopper le live. Non. Faut se calmer avec ce genre d'histoire-là. Là. Vous êtes avec vos parents, vous êtes tranquille. Il vous arrive un truc. Voilà. Moi, je suis tout seul, moi. D'accord. Moi, je suis tout seul. Moi. Ok, les gars, si on peut arriver à 3000 likes, ce serait grave kiffant. Donc, je vous envoie le lien, les gars, dans le chat. Je vous envoie le lien. Ouais, non. Il faut stopper, les gars. Il faut stopper ces bêtises-là. Il faut stopper. Ouais, allô? Allô, mon pote. Est-ce que tu peux activer ton micro? Ouais, allô? Allô, oui. Ouais, ça va quoi? Ça va bien, et toi? Nickel. Alors, est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Oui. Alors, cette histoire s'est passée il y a pas trop longtemps. Non, ouais. C'était en octobre 2020. Et genre, j'avais invité mes potes dormir chez moi, tranquillement. Okay. Et nous, on était 5, je crois. Et on adore tous le paranormal et tout. Et on suit en plus ta chaîne. Et genre, on a commencé à faire des canulars. Un truc totalement con. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a un numéro bizarre qui m'appelle. On décroche et tout. Mais le problème, c'est que ça parle pas ni rien. Donc on raccroche et tout. Mais 2 heures après, et là, il était vers 3 heures du matin, on entend des pas et tout, et on a grave peur. Donc, on décide de se coucher. Ouais. Mais une de mes potes n'arrive pas à dormir et nous dit le lendemain que il y a eu un problème à la télé. En mode, elle faisait que bugger et tout. Et une semaine après et tout, il y a quelqu'un qui venait dans mon jardin, parce que j'ai quand même un grand jardin, et je l'ai vu par mon balcon. Et il était toujours Y a quelqu'un qui venait chez toi? Oui, en fait, genre, mon portail, c'est un accès libre, vu qu'à côté, il y a un docteur. Donc, l'accès est totalement libre à mon jardin. Ouais. Et genre, de mon balcon, qui est de la cuisine, le matin et tout, même quand je revenais des cours, je le voyais et genre c'est une personne, genre c'était plutôt une silhouette masculine qui était genre juste posée, genre il y a un espèce de mini cabanon, mais non, comment ça s'appelle? Il est juste assis, je sais plus parler, assis sur une chaise qu'il y a sur dans mon jardin, mais qui n'est pas à moi, qui est à mon voisin. Et maintenant, on sait même plus qui c'est, genre, il vient plus, ni rien. Mais c'est qui ce mec? Vous l'avez déjà vu avant? Ou c'est un mec qui est... Il est apparu du jour au lendemain comme ça pour rien, genre... En fait, depuis que j'ai reçu l'appel, il était là, mais après, plus rien. Ouais, je vois, ouais. Mais le numéro, genre, t'as vu qu'il était bizarre ou c'était un numéro normal à mode 06 ou 07, oui, etc.? Oui, un numéro normal. Je crois que c'était un 06. Ok. Et tu penses que c'est tu penses que c'est ce mec-là qui vous a appelé, enfin qui t'a appelé? Sûrement. Sinon, ce serait pas lui. Et est-ce que vous avez eu d'autres, est-ce qu'il y a eu d'autres histoires avec ce mec-là, genre d'autres personnes qui, comment ça s'appelle, d'autres personnes qui sont plaintes, comme quoi il y avait un mec ou quelque chose comme ça, genre? Mes voisins se sont plaints parce que c'était quand même leur chaise et tout, là où ils posaient et tout. Ouais. Où ils se posaient. Et je crois qu'il y avait aussi que quelqu'un l'avait déjà vu, genre, dans mon quartier. Ouais,
Mais personne sait, c'est. Il y a personne qui sait en fait. Non, et le truc le plus bizarre, c'est que, bah, en fait, genre, à cause de ma voisine, un jour, ma voisine a fait fuir mon lapin et tout, et tout le quartier le savait, et quelqu'un a vu ce mec avec un lapin à la main, donc on a cru que c'était lui. Mais il a commencé à courser. Ouais. Et bah, on l'a plus jamais revu. Je crois que depuis que mes voisins l'ont vu, bah, il a totalement disparu. En vrai, et va mourir maintenant. c'est vraiment bizarre, genre les gens, genre qui tu sais pas d'où ils sortent, mais genre soit ils attendent devant ta fenêtre ou des trucs comme ça, c'est vraiment flippant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé sur le live, mais ouais, ça a l'air vraiment bizarre et flippant leur truc. Ouais, ça a l'air vraiment Ouais. bizarre, hein. Du coup, c'était ton histoire? Oui, voilà, c'était tout. Écoute, merci beaucoup pour ton histoire. Voilà, je pense que ils ont pas mal kiffé sur le live. Et je te souhaite une bonne soirée. D'accord, à toi aussi. Merci. Bon live. Merci. Ciao. Ah ouais, à la fin, elle avait une nouveauté à Disney XD. Et si vous voulez voir Phineas et Ferb, n'hésitez pas à vous rester connecté. À vous rester connecté, j'ai dit. Ouais, c'est pas français du tout. On est à 2700 likes, les gars. Est-ce qu'on peut monter aux 3000? Montez-moi ça aux 3000. Montez-moi la barre des likes aux 3000, là. C'est quoi ces bêtises, là? Oh! Alors attendez, les gars. Oula. Allô? Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Allô, allô? 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 Là, je vais commencer à m'énerver. Allô? 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 Ouais, ça vaut quoi? Ouais, ça va. Qu'étais-tu en train de faire là pendant une trentaine de secondes? Non, j'étais en train de faire un truc et je suis dans ma cuisine et tout, je regardais ton live. Hein. Oh putain, je me suis niqué l'œil. Ah, je me suis fait mal à l'œil. Ah, ça fait mal. Ouais, j'étais en train de faire un truc, ouais. Ah, je me suis fait mal à l'œil. Putain. Putain, ça fait mal. Ah, ça fait très mal, franchement. Ça faisait longtemps que mon œil avait pas pris un coup, putain. Putain, pourquoi c'est devenu. Non, me dis pas que j'ai un coquard. Ah non, c'est bon, c'est la lumière. Là, le mec qui a le coquard le plus rapide de l'histoire. Ouais, il croit qu'il va me la faire. Moi, je faisais un truc. Ouais, ben fais ton truc. Termine, écoute. Faut pas faire ce genre de bêtises ici, là. Ouh, alors, cette personne s'appelle Lucifer Morningstar. Alors là, je kiffe bien. Allô? Ouais, mon pote. Le pire, c'est que le mec qui m'a dit je fais un truc, il a une pépée de meuf, c'est Oui, flippant. allô. Ouais, mon pote, ça vaut quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquillement, mon pote. Lucifer Morningstar. Ouais. What do you desire? Alors, dis-moi, mon pote, est-ce que tu as une histoire à nous raconter là? Alors, ouais, j'avais une petite histoire qui s'est passée quand j'habitais dans la ville de Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Ouais, mon En pote, gros, raconte-nous. j'étais dans une assez grande maison qui était justement réputée dans la ville pour être hantée, entre guillemets, tu vois. Non. Et un matin, je me réveille et j'avais fait un petit cauchemar, assez, on va dire, pas qui m'a un peu rassuré, entre guillemets. Ah, alors attends, juste 2 secondes, je vais juste mettre ma deuxième paire d'ongles. 2 petites secondes. Alors, hop. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mon ami. Je t'entends. Oui. Alors, du coup, je disais, et du coup, en fait, donc c'est un cauchemar pas qui était effrayant, mais qui m'a un peu rassuré en soi. Parce qu'en fait, bah déjà, en gros, genre j'étais en haut, tu vois, quand je sortais de ma chambre, en fait, j'avais un grand couloir et il y avait les escaliers, tu vois. Ouais. Et en haut des escaliers,
y avait une petite fille, entre guillemets, tu vois. Donc toi, faire un rêve où il y a une petite fille, ça te rassure, toi? Ben non, mais en fait, c'est ce qu'elle a dit après, en fait, qui m'a rassuré, c'est qu'en fait, elle a dit le nom Océane, tu vois. Et en fait, le prénom Océane, c'est le nom de ma sœur qui est décédée. Là, et okay. Ça m'a ultra rassuré, parce que bah, j'avais l'impression, tu sais, qu'elle voulait genre pas me passer un message, mais genre me dire qu'elle allait bien ou un truc comme ça. Ouais, je vois. Et ouais. Ce qui est un peu flippant, c'est que le matin, quand je me suis réveillé et que je suis allé prendre mon petit déj, j'ai entendu mon père se réveiller en sursaut. Il m'a raconté son cauchemar, c'est exactement le même. Genre, vous avez fait exactement le même rêve où il y a la petite fille qui vous dit le nom et tout là. Ouais. Et, ouais, et pareil, genre 2 semaines après environ, il y a ma belle-mère qui a entendu des cris de bébé. En fait, elle était enceinte, tu vois, et elle a entendu des pleurs de bébé. Et on n'a jamais su d'où ça venait et tout. Et bah, du coup, voilà, c'est la fin de l'histoire. Ah, c'est vraiment bizarre, mec. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment bizarre. Ouais. Bah, écoute, mon pote. Ouais. Au final, c'était une très belle histoire. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et ben... je voulais dire que j'adore tout ce que tu fais. Merci, mec. Voilà, merci, mec, ça fait plaisir. Franchement, tu m'as sorti des moments de... des fois, tu m'as fait rire alors que j'avais des moments de galère et tout. Et franchement, tu gères. Continue comme ça. C'est avec plaisir, mec. Avec plaisir. I'm Lucifer. I'm here for give you all the fun of the world. Donc voilà, il n'y a pas de souci, mec. Je fais mon anglais, mais bon, voilà quoi. Bref, mais écoute, mec, je te souhaite une très bonne soirée. Et continue de kiffer la vie, mec. Et bah, bonne soirée à toi. Et puis ouais, toi aussi, continue de kiffer la vie. Merci, mec. Salut. Salut. Ouais, je m'attendais pas. Non, parce qu'au début, je me suis dit, il a fait un rêve bizarre avec une petite fille, je sais pas quoi. Je me suis vite calmé. Bon, on va appeler quelqu'un d'autre, les gars. Je crois que c'est la personne qui a eu une relation avec un fantôme. On va la trouver, cette personne. Les gars, on est à 2800 likes, on est bientôt à 3000. Si on peut monter aux 3000, c'est nickel, les gars. Alors, on va voir si nous répond le pote là, qui apparemment a eu une relation avec un fantôme. On va voir ça. Non, allô, mon pote. Ouais, mon pote. Tu vois, c'est ça le souci. Après, quand je vais finir mon live, on va me dire, ouais, mais Adam, tu réponds pas, tu vois. Oh putain, il y a du monde là. Alors attends. Où est-ce que cette personne? Ouais, mon pote. Hello. Mais ils sont malades les gens aujourd'hui, ce soir, ou il se passe quoi en fait? Les gens sont fous. Ouais, là, je l'ai ajouté, gros. Ils font des bruits bizarres, là, si vous êtes fous. Vous êtes complètement taillés, les gars. Allô. Vous êtes embêtant. Vous êtes embêtant. Pourquoi vous m'embêtez comme ça? Ouais, allô, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? No fake. Ouais, mais je pense pas que c'était fake son histoire au type juste avant là, ouais. Je pense pas que c'était fake. Ouais, allô, mec, ça vaut quoi? Ouais. Alors, t'as une histoire à nous raconter? Non, je voulais juste te dire que t'étais le meilleur youtubeur. Non, ben merci, mec, c'est un plaisir, merci mon pote. Passe une bonne soirée, du coup. Continue à faire ton live. Hein. Les gens sont bizarres ce soir. Les gens sont très bizarres. Bon, là, je pense qu'on va partir sur... On va partir sur un bannissement. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus simple. On part sur un bannissement, t'es banni. Voilà.
Voilà. Les gens qui spamment sur le chat, ça va partir sur des bannissements, les gars. Voilà. Je voulais pas être violent, mais vous me poussez à être violent. Voilà, voilà. On va passer à quelqu'un d'autre, les gars. Oh, lui, il s'appelle Ryuk. Alors, j'espère qu'il a une bonne histoire à nous raconter, le Ryuk, là. Ouais, mon pote. Ah, parce que Ryuk, mec, c'est Death Note. C'est le meilleur truc au monde. Allô, allô. Ouais, mon pote, ça va ou quoi? Ouais, et toi? Ouais, nickel. Ah, ça dit quoi? Pas bien, toi? Ah, ça va nickel, ça va nickel. Du coup, t'as une histoire à nous raconter, là? Ouais, mais c'est pas trop flippant, mais c'est un truc qui m'est arrivé dans ma vie. Vas-y, mec, raconte-nous. Alors, en fait, tu vois, quand j'étais petit, ma soeur, elle est morte. Ouais. Et du coup, la nuit, j'entendais des bruits, parce que j'avais un étage, tu vois. Ouais. Et j'entendais des bruits, genre des pas qui courent, tu vois. Je suis un peu stressé, excuse-moi, c'est parce que je te parle. Non, y a pas de soucis, mec. Beaucoup. Y a pas de soucis. Et je t'admire, quoi. Y a pas de soucis, mec. Donc, en gros, là, j'entendais des bruits, et ma mère m'expliquait qu'elle aussi. Et une fois, je me suis réveillé, et dans la chambre à ma soeur, en fait, on l'avait fermé à clé, tu vois. Et on sentait du parfum, mais c'était à ma soeur, tu vois. Et du coup, bah, ma mère, elle est rentrée, et elle a senti le parfum, et la fenêtre, d'un coup, elle s'est fermée. Parce qu'elle laissait toujours la fenêtre ouverte pour faire des courants d'air, parce que tu vois, après, il n'y a pas de bonne odeur, tu vois, c'est chiant, en fait. Ouais. Et du coup, bah, depuis ce jour-là, bah, je fais que des cauchemars où bah, je fais toujours le même rêve, en fait, et je comprends pas pourquoi. Donc, peut-être c'est un signal, ou peut-être. Mais en plus, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont déjà genre, senti des odeurs de parfum ou de fleurs, des fois comme ça, genre qui sortent de nulle part, ou des histoires de cigarettes, des fois. Peut-être. Ou des trucs. Franchement, je sais pas ça du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Ça peut être un traumatisme. Peut-être, franchement, peut-être, je sais pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, genre, elles sont chez elles tranquilles, tu vois, et d'un coup, elles sentent l'odeur, genre, je sais pas, du parfum, ou alors des... C'est souvent de la cigarette aussi. Genre, il y a des gens qui sentent l'odeur de cigarette, ou des trucs comme ça. Bah, après, peut-être, c'est soit c'est psychologique, ou soit c'est, tu vois, c'est réel. Ouais, un peu, ça peut être psychologique, ouais. Ça peut être psychologique. Après, j'avais une autre histoire, mais très, très grave. Celle-là, tu vas être choqué. Vas-y, mon pote, vas-y. Alors, une fois, tu vois, moi, j'ai un stade vers chez moi, tu vois. Ouais. Donc je sors, je suis avec mon pote, tranquille. Et il y a un gars qui commence à venir, hein, tu vois, il devait avoir 40 ans. Donc ouais. Il commence à vouloir jouer avec nous, et nous, on voulait pas, tu vois, on joue au basket. Et tu vois, il a 40 ans, on n'est pas... Moi, je regardais tes vidéos, tu vois, je connais les gens comme ça, j'évite trop, tu vois, j'évite. Ouais, ouais. Et les gars, il commence à péter un câble. Tu vois, il pète un câble, hein. il a dit, je vais sortir un couteau et tout. Il a commencé à me frapper. Et après, il a vouloir sortir un couteau, et je me suis barré chez moi avec mon pote. On a tout expliqué à ma mère, et moi, je suis rentré chez moi, j'étais en larmes. Et on est parti à la gendarmerie, et ces bouffons, ils nous ont pas accepté. Non, ouais. Genre, on était devant la porte, et ils nous ont pas laissé rentrer, et le gars, il a rien. Oh, et ouais. Ils nous ont dit que c'était un schizophrène. Ah, mais bah après, vous avez fait quoi? Vous êtes retourné chez vous après, quand même? Genre, vous êtes pas resté devant la poste de police, hein? Mais ma ville, c'est une ville tarée. En fait, il m'est arrivé ça. Il y a un gars, il m'avait mis une gifle dans la tête, il m'avait mis des coups de trottinette. Ma ville, c'est une ville de ouf. Attends. Tu t'es pris des coups de trottinette? Ouais, il y a un gars, il m'a tapé, il devait avoir été vu. Hein. Et il m'a mis une grosse droite, j'ai été sonné à l'oreille. Je suis parti à l'hôpital pour ça. Et bah, il m'a mis des coups de trottinette. Non, mais à un moment donné, les gars, vous habitez dans quelle ville, tout cela? J'habite dans le 7-7. C'est un truc de fou, frère. L'autre, tout à l'heure, il me dit, ouais, vous habitez dans des villes bizarres, là. Vous faites frapper par des mecs avec des trottinettes. Vous habitez dans des villes bizarres, les gars. Mais oui, il y a des villes bizarres. Hein. Ouais, tu vois, à mon collège. Ouais. Et bah, il y a très longtemps, bah, il y a des gens, il y a un gars, c'était le plus fort en boxe de ma ville. Et tellement il était fort, bah, il y a trois gars qui sont venus sur lui, c'était l'histoire, et il s'est fait poignarder. Et il est mort au jour de jour. What the fuck? Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Comme des gens les racontent, il y a au moins 4 personnes qui sont mortes devant le collège. Ouais, ouais. Bah après, maintenant, je suis au lycée, du coup, tu vois, je flippe plus trop, mais c'était avant, tu vois, du coup. Ouais, c'est vrai que le collège, c'est un peu n'importe quoi. Quoique le lycée aussi. Ouais, le collège, les petits 6e, là, ils arrivent avec leur catarbe, on dirait, ils vont faire Pékin Express. Leur cartable est plus grand qu'eux. Ah, j'adore cette radio, franchement, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien, voilà, c'est trop bien. Bah écoute, merci mon pote pour ton histoire, Ryuk. C'est juste un grand plaisir. J'ai juste un truc à dire. Ouais, ouais. Tu peux dire un truc au live. Vas-y, mec.
Les gars, je veux un maximum de pouces bleus parce que Adam, il mérite vraiment. C'est un gars, bah, ses vidéos, ils sont trop cool. Donc, je veux un maximum de pouces bleus pour lui et abonnez-vous. N'hésitez pas. Si, je vous le répète depuis tout à l'heure, mais vous vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Maximum de likes sur le live, les gars. Je veux au moins 20 000 likes sur ce live. Et 20 000 oh, ouais, regarde, sur ta chaîne, on est... vous êtes 877 000. Bien sûr, les 20 000, ça doit être facile, normalement. Sur une vidéo, t'as fait 80 000 pouces bleus. Il faut 20 000, il a dit, il faut 20 000. Non, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, c'est ingénieux. Franchement, j'admire ce que tu fais, je te suis depuis tes vidéos TikTok. Tu me faisais trop rire. Franchement, continue comme ça, t'es le boss. J'espère bah, un jour, t'as le million. Hein. On les aura, t'inquiète pas. Tu le mérites, franchement. On les aura, t'inquiète pas. On les aura. En tout cas, j'attends avec patience tes projets. Il n'y a pas de soucis, mec. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et ça va être kiffant. Mais écoute, mec. De toute façon, à chaque fois que je regarde une vidéo, je suis content. Je sais que ça va être un bon moment de détente. Bah, à chaque fois. Ça dépend des fois. Au bout d'un moment, c'est de la détente, mais en même temps de la flippance. Ouais, c'est. C'est de la détente, c'est flippant. Ça ouais. Dépend. Ça ouais. Dépend, exactement. Ouais. Mais écoute, mec. Dans tous les cas, c'est bien. Merci beaucoup pour ton histoire. Je pense que le live a pas mal kiffé ton intervention. Et je te souhaite une bonne soirée, mec. Merci, je te souhaite une agréable journée et une bonne année. Merci, mec. Salut. Salut. Oh, putain de merde. On va passer à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est cool, franchement, il a dit 20 000 pouces bleus. Donc 20 000 pouces bleus, vous mettez 20 000 pouces bleus, les gars. Allô. Allô. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ouais. Ok, ça marche. J'avais une petite histoire, si ça t'intéresse. Ouais. Ok. Alors, c'était... j'étais avec des potes à moi, tu vois, tranquille. On était à la nive d'un ami. Et du coup, on était allés dehors. Et on avait mis une tente, tu vois, pour se raconter des histoires et un peu dormir pour passer la nuit, tu vois. C'était le soir de son anniv, donc voilà. Ouais. Et du coup, on s'est mis dans les couvertures logiques. On s'est raconté un peu des histoires tranquilles et tout. Et j'ai senti dans mon dos, tu sais, j'étais appuyée contre la tente, tu vois. Genre, mon dos était contre la tente. Et là, je sens quelqu'un qui me touche le dos. Et je dis à mes potes, ils se foutent de ma gueule, ils sont en mode, c'est pas vrai et tout. Et justement, ils se moquent de moi et on attend un peu. Et il y a un autre de mes potes qui se fait aussi toucher dans le dos. Donc là, il commence à dire, non mais les gars, c'est sérieux. Et genre là, moi, je commence vraiment à paniquer. Et il panique avec moi. Après, il y en a un troisième qui se fait aussi toucher le dos. Donc là, moi, je commence vraiment à flipper. Je me mets au milieu de la tente. Et les autres viennent me rejoindre, on se pousse un peu, tu vois, pour être au mieux. Et là, du coup, on choisit quelqu'un pour aller ouvrir la tente et aller voir qui est dehors. Et on entend justement une personne qui tourne autour, mais on voit pas de silhouette, tu vois, parce que on avait juste des telles pour allumer, enfin pour faire un peu de lumière. Non, ouais, ouais. Et d'un coup, il y a un silence. Et la tente, elle est secouée. Il y a quelqu'un qui a fait genre un... Tu vois, qui a tapé dessus. Ouais. Et on a été secoué dedans. Et bah après, du coup, il y a un de mes potes qui était plus courageux, tu vois. Il était un peu plus grand que nous tous. Il a ouvert la tente, il est allé. Et il nous a dit qu'il a juste vu trois silhouettes partir au loin. Mmh. Donc après, je sais pas pour quelle intention la personne est venue. Les personnes sont venues faire ça parce que ça sert à rien. Mais ouais, je sais pas. Donc c'est des gens qui sont venus genre pour vous savez pas pourquoi en fait ils sont venus, c'est ça? Ils sont venus genre à côté de vos tentes, ouais. Et tout, et c'était bizarre genre, c'est ça? Bah c'est pas vraiment, tu sais, du paranormal, c'est juste, c'était un truc assez flippant. Et non, coup, ouais, c'est des gens bizarres quoi. Ouais. Et du coup après ces gens là vous les avez retrouvés ou pas? Non, ben, on les a juste vus partir, quoi. Et on sait qu'ils étaient trois, mais vu que c'était la nuit, donc... Mais non, on a juste oublié, mais là, on en reparle de temps en temps, tu sais. Mm-hmm. Ok, ok, mec. Ok, mon pote. Ok, bah, ça voilà. Marche. Mais écoute, content d'avoir ouais. Partagé avec vous. Merci pour ton histoire, mec. Ça fait grave plaisir. Merci pour ton histoire, mec.
Et bonne chance, continue comme ça. Hein. Bah, franchement, c'est bien tes vidéos. Merci, mec. Bah, du coup, écoute. Je suis flippé, mais bye. Mais écoute, mec, je te souhaite une bonne soirée. Et merci à toi aussi. Et voilà, mec. Salut. Ciao, à plus. Quelque chose qui cloche. Quelque chose qui clochait là. Dans, quelque chose qui clochait. C'est pas normal. Non, allô. Non, allô, allô. Non, mon pote, tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît. Non, allô. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant de l'autre côté là? Bon, c'est... Là. C'est... Il faut... Là. On va essayer avec cette personne. Ouais, mon pote. Allô, allô. Allô. Allô, mec. En fait, vous venez sur le serveur. Pourquoi certains? Tu sais, j'aimerais comprendre. Allô. Allô, allô. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Allô? Là, c'est un truc de fou. Non, mais il y en a qui le font exprès, c'est pas possible. Il y en a qui le font exprès. Ah, il y en a qui sont possédés, c'est un truc de fou. C'est pas possible. Non, mais après, on va me dire, je réponds pas après. Après, on va me dire, je réponds pas. Oh, allô? Et toi tu es. Non, mais on va. Ça, c'est que. Voilà, mon pote, ça vaut quoi? Ça va? Ouais, nickel, mon pote. Il a raccroché. C'est pas moi, il a raccroché, c'est pas moi. C'est pas moi. On va essayer avec quelqu'un d'autre, les gars. On va essayer avec quelqu'un d'autre. On va essayer avec cette personne-là, peut-être. On va attendre qu'elle réponde. En tout cas, les gars, maximum de pouces bleus, de likes sur le live, je compte sur vous. À 3500 likes, les gars, sur le live, je renvoie le lien du Discord, les gars. 3500 likes, les gars, je compte. Non, 4000. À 4000 likes, les gars. À 4000 likes sur le live, je renvoie le lien du Discord sur le chat. Bon, ok, ça répond pas. Hop. Pas perdre de temps. Voilà. Voilà. Allô? 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 Nous, allô? Allô? Ouais? Ouais, moi j'ai une histoire de fou, ça va? Tranquille toi, ouais. Ouais, ça va. Du coup, t'as une histoire, c'est ça? Ouais, faut suivre parce que c'est long quand même. Oh ouais. Genre, j'étais pire dans ma chambre. Et, mais je voulais absolument aller dormir dans l'autre. Et ça veut dire que ils m'ont dit qu'ils dormaient avec moi dans ma chambre, allaient s'endormir, je vais dormir avec elle. C'est-à-dire, j'ai dit ok. Bah, j'ai fini mon endroit. Et le matin, je me réveille et j'étais assise dans la chambre de mes sœurs. Genre, j'étais assise et j'étais toute mouillée. Et c'était trop bizarre parce que moi, je. 5 ans, ça m'a traumatisé. Genre, je pleurais.
Non, alors attends, parce que depuis tout à l'heure ça bug. Attends. Je vais essayer de t'appeler en normal pour voir si ça marche. Parce qu'on n'a rien compris depuis tout à l'heure. Ce qu'on attend depuis tout à l'heure. Oh, allô? Allô? Ouais. Ouais, ça bug. Non, ça bug, ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Ça bug. Ça bug. Ça bug. On va passer à quelqu'un d'autre, les gars. On va passer à quelqu'un d'autre. On va... Oula, lui, il a l'air énervé, lui. Et ouais, c'est cette personne. Allô, mon pote. Tu vois, frère, ça vient, ça. C'est un truc de fou, ça. Allô. Non, mais je vais m'énerver, les gars. Vous le faites exprès, je vais m'énerver. En fait, le live, c'est vous voulez participer au live, mais quand je vous ajoute, vous voulez pas, en fait. Je comprends pas. Il faut être logique, en fait. Allô, mon pote. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Allô. Vous inquiétez pas, les gars, j'ai enlevé parce que ça buguait trop. Tu vois, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas, en fait. Ah, je vais arrêter. Je vais arrêter la radio. Allô? Allô? En fait, je vais prendre la chaise et je vais la jeter sur mon écran pour que tout se casse et que je fasse plus de live, en fait. C'est ce que vous voulez, en fait. C'est ce que vous voulez. Allô? Non, mais c'est un truc de fou. Vous le faites exprès, je crois. Vous faites exprès parce que vous savez que ça m'énerve. Allô? Tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Non, sur le live, il y a tout qui est nickel. C'est Discord qui font de la merde, en fait. C'est leur application, c'est de la merde. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on utilise leur application juste parce qu'il n'y en a pas d'autre mieux que ça, en fait, pour l'instant. Allô. Bonne nouvelle, un nouveau membre a rejoint la chaîne. C'est nickel, mec. Ok. Ben merci beaucoup à toi, Jessica, d'avoir rejoint les membres. Ça fait grave plaisir. Grosse dédicace à toi, Jessica. Et merci beaucoup à toi d'avoir rejoint les membres. Merci beaucoup. Alors, quel niveau? Le niveau 1, donc bienvenue à toi. Jessica Boulet, c'est ton premier mois en tant que membre. Ça fait grave plaisir. Hop là. Non, stop. En fait, vous voulez quoi? Attends. Vous voulez quoi, les gars? Ouais, allô? Allô. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb parce que après le live, en fait, je vais recevoir plein de messages sur Instagram. Pourquoi tu m'as pas répondu? Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi? Vous répondez pas, en fait. Vous ne répondez pas. Où est-ce cette personne? Celui qui voit mon commentaire, c'est une légende.
Ouais, mais je suis le seul à l'avoir vu, du coup je suis la seule légende ici. Hop. Toi tu saoules un peu. Hop. Ouais, purée. Vous le faites exprès. Vous le faites exprès, c'est pas possible. Vous le faites exprès. Allô. Allô, allô. Allô. Allô, mec. À un moment donné, il faut arrêter ces bêtises-là. Il faut arrêter ces bêtises-là à un moment donné. Oh, allô? Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Toi, non, mais c'est un truc de fou. C'est... En fait, vous voulez que je supprime tout, en fait, c'est ça? Allô? Allô? Ouais, allô, mon pote, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, nickel, mec. Alors, est-ce que t'as une histoire à nous raconter, du coup? Ouais. En nickel, fait, mec. Tu vois, tu connais les Alpes? Les Alpes, ouais. Ouais. J'ai déménagé d'un village dans les Alpes. Et en fait, je rentre dans... Ça fait un mois, deux mois que j'ai déménagé. Là, ça fait deux semaines qu'il s'est passé le truc. Et je rentre dans le Spar. Il y a un Spar, je rentre. Après, quand je ressors, avec un masque et tout, je sors du collège, tu vois. Non, ouais. Je sais pas, je vois un gars à peu près 2 mètres. Il puait le mort. Je te promets, il puait. Mais quand il puait, le gars, on dirait qu'il y a un cadavre. C'est pas dit, peut-être ça fait longtemps que c'est pas douché ou un truc comme ça, non? Si, moi je dis ça. C'est pas le gars. Moi je monte dans le. Je pars, je rentre dans le col. Je rentre chez moi, quoi, normal. Non, ouais. Et tu vois, vu que je suis en montagne, il y a des petits chemins pour passer entre les, là au bord. Ouais, c'est ouais. Pas le gars. Tu vois, je continue à marcher, je me fais une petite randonnée. Le gars, je vois, il me suit. Et. Touche-moi Discord, vous commencez à me faire chier. Vous commencez à me faire sacrément chier, Discord. Franchement. Oh, allô. Est-ce que tu peux... Allô. Ah, ça va ou quoi, mon pote? Ça va, et toi? Ouais, nickel, mon pote. C'est toi qui avais l'histoire où t'avais une relation avec un fantôme? Non, c'est pas moi. Ah, ok. Ok, mon pote. Sinon, j'ai une histoire. Je sais pas si elle va te faire peur ou pas, mais... Vas-y, mon pote. Tant qu'elle te plaît, c'est bon. Donc en gros c'est mon histoire. Je suis parti en classe verte il y a longtemps, j'étais en CM1. Et comment il s'appelle? Bon, on va l'appeler Yacine. J'ai un ami qui s'appelle Yacine et j'étais avec ma meilleure amie qui est maintenant décédée. Et on est parti en forêt. On est parti en forêt et en fait on a perdu le groupe qui était avec nous. Sauf que le problème c'est qu'on était que tous les trois et dans la nuit. Donc du coup on s'est perdu, on a trouvé un arbre où, on s'est posé dessus. Non ouais. On a essayé de se réconforter. Et je sais plus trop parce que ça fait très longtemps, donc désolé si je réfléchis beaucoup. Non t'inquiète mec, y a pas de souci, t'inquiète. Et comment ça s'appelle comment on dit on a vu une personne, une silhouette, ou je sais pas ce que c'était, mais il y avait deux personnes, mais il y en avait une qui se faisait traîner par les cheveux, et une autre qui était debout, celle qui traînait la personne. Et nous... Attends, t'as quoi ? Ça a flippé. On a vu une personne qui se faisait traîner par les cheveux. Alors attends. Les gars dans le chat, parce que moi, mon assurance, ma sécurité, c'est le chat. Les gars dans le chat,
Est-ce que vous pensez que c'est réel son truc ou pas là? Donc attends, si je comprends bien, t'étais en train de te balader dans la forêt parce que vous avez une sortie ou un truc comme ça. Et dans votre groupe, vous êtes éloigné des autres groupes. Et oui, vous avez vu une meuf se faire traîner par les cheveux dans la forêt. Par un mec. Oui. Les gars dans le chat là, je veux la confirmation. Je demande une confirmation auprès du chat là. Alors. Non. Oui, ouais, ça peut être vrai. Faux. Ouais, vrai. Faux, totalement faux. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça peut être vrai. Non, fake. Fake, fake. C'est sûr, c'est faux, c'est possible. Ouais, c'est quand même assez partagé tout ça. Là. C'est quand même assez partagé. Il y a un mec qui s'appelle Kirikou. Il a mis c'est possible. Si c'est Kirikou qui le dit, alors c'est possible. Mais du coup, après, il s'est passé juste ça du coup? Non, après, bon, on a commencé à courir, on a perdu mon pote. Et après, on a. C'est encore perdu, on a cherché un peu dans la forêt. On a retrouvé les. On a retrouvé le groupe, sauf que mon meilleur ami, on l'a jamais retrouvé. Enfin, mon meilleur ami, oula. Pote, on l'a jamais retrouvé. Non, ouais, ok, je vois. Et du coup, il a été porté disparu? Ouais, il a été porté disparu. C'était dans quelle ville ça? Marseille. Enfin bon, je sais pas en fait. Moi, j'habite à Marseille, mais après, je sais pas la ville parce que je les connais pas. Moi. Elle nous a juste dit, désolé si je postine, c'est parce que je suis dyslexique. Oui, y a pas de souci, mec. C'est qu'elle nous a juste dit qu'on allait en classe verte et on n'a jamais pu savoir où est-ce qu'on allait. Attends, mais c'est lequel qui m'avait dit que ça s'est passé dans les Alpes? C'est toi ou c'est l'autre juste avant? Non, moi, j'ai pas écrit encore. Moi, j'ai rien dit, je viens de passer à peine maintenant, j'ai même pas encore écrit dans le serveur. Non, mais pas écrit, genre en vocal. C'est toi ou celui non. juste avant qui m'a parlé des Alpes? Non, c'est pas moi ça. Ok, ouais. Bon, en vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas possible, mais après vous pensez ce que vous voulez. Je vais rien dire, parce que vous faites comme vous voulez. Non, mais c'est bon, rien, en tout cas. Merci pour ton histoire, mec. En tout cas, c'était cool, ouais. Du coup, c'est ouais, une meuf qui s'est fait traîner dans la forêt par les cheveux, ouais. C'est vrai que c'est chelou. Ouais. C'est très bizarre. Ouais. Très bizarre. Bon, bah, vas-y, hein. Merci, mon pote. Bon live à tous, et continuez à liker, hein. Merci, mec. Ça fait plaisir, merci, mec. Passe une bonne soirée. Toi aussi. This is very strange. This is very, very strange. A very strange story, my friend. On est d'accord que c'est lui qui parlait des Alpes. On est d'accord. Là, j'ai une bonne mémoire. T'es une bonne... Ça se passe aux Alpes, après à Marseille, après... En Russie, à Stalingrad. Ouais, allô? Alors, attends. Parce que j'ai entendu quelqu'un de très, très, très content et c'est reparti juste après, en fait. Non, tu reviens là. Allô? You come back here. Allô? Je comprends pas. Allô? Ouais. Oh, je m'entends. Oh, merde. Je crois pas. Pourquoi vous échappez comme ça là? C'est rien de vous échapper, hein. Mais attends, mais genre là, tu nous entends, genre tu vas me dire. Du coup, les gars, n'hésitez pas à mettre un action de pouce bleu sur le live, c'est plaisir. Ta gueule, elle raconte l'histoire. Ouais, bah, apparemment, ils répondent pas. Du coup, je vais voir s'il y a pas. Attends, mais j'ai réussi à les brain sur ça. C'est sérieux cette histoire là? C'est sérieux cette histoire? Je viens juste de parler avec vous en fait. Là, mais je vous entends en fait. Mais c'est quoi? Il faut stopper en fait. Il faut stopper. Allô? Non, mais je vous entends en fait. Attends, mais il nous entend. C'est impossible. Attends. Attends, ah mais si. C'est quoi ces gens sur le serveur là?
Je dis aux jeunes que je les entends et on me dit c'est non mais c'est pas possible, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Je parle avec vous là en fait là. Mais genre je suis en train de trembler, genre. Du coup, vous avez une histoire à nous raconter là ? Exactement. Ouais. Nickel, nickel. Du coup, allez-y, c'est un peu le but du live quoi. Du coup, vas-y, c'est qui commence ? En fait, c'était il y a 2 ans en arrière, genre on était, je sais pas si tu connais, genre Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, je sais pas genre comment expliquer, mais ouais. Attends, parce que j'en ai marre de mes écouteurs, attends. Ouais, tu disais quoi ? Dans la région du Rhône-Alpes, c'est ça ? Ouais. Rhône-Alpes, ça c'est à l'est de la France, je crois, non ? Sûrement, ouais, je sais pas. Ouais, c'est en France, quoi qu'il arrive. Du coup, ouais. Voilà, et en fait, on était ensemble. Et genre, il était tard un peu. Ouais. Et genre, on a décidé de sortir. Parce que ma mère, en fait, elle était partie acheter des pizzas parce que fallait qu'on mange. Et genre, du coup, on s'est dit avec. Parce que j'étais du coup. Enfin, on était ensemble. Et du coup, on est sortis et tout. Et on s'est dit qu'on voulait aller dans les sous-sols. Et enfin, parce qu'en fait, elle a un bâtiment, un sous-sol. Et si tu veux, bah, on est bien traîné par là-bas. Parce qu'on voulait savoir ce qu'il y avait. Et ça nous faisait peur. Et bref, c'était un ancien délire. Ouais, je vois. Ouais. Et du coup, on allait dans les sous-sols et tout. Et quand on est revenu dans. Parce qu'on est, on était parti. Mais en fait, tu vois, il n'y avait rien, genre, c'était passé un peu. Et on remonte et tout, et fin de compte, genre, c'est là où il y a des interrupteurs, tu sais, pour rappeler des gens. Ouais, en fait, tu peux, ouais, bref. Il y a 2 portes, et genre, nous, on rentre, et en même temps, il y a quelqu'un qui rentre, et on voit, genre, il y a quelqu'un qui rentre derrière nous, enfin, genre, devant nous. En fait, si tu veux, il y avait 2 mecs qui transportaient. C'est en vrai... Dit comme ça, genre, on a l'impression de pas nous croire et tout, mais c'est wallah que c'est vrai. La tête de Wam, on a eu tous les 2 peurs, on a flippé nos races. Après, on voulait plus sortir, on était traumatisés. En fait, en plus, à l'époque, on devait avoir. Enfin, on avait un petit âge, genre. Enfin, bref. Un petit âge. Mais oui, je t'ai capté. Et en fait, j'avais 2 hommes, genre, ils transportaient un sac transparent blanc un peu. Et genre, il y avait plein de sang. Et en fait, dans le sac qu'ils transportaient, genre, c'était un corps. Attends, quoi? T'as vu quoi? Voilà, j'ai vu ses fesses. Les fesses de qui? Mais du mec qui se faisait transporter. Mais c'est quoi ces fous qu'il y a ce soir là en fait? Mais non, mais je sais pas. Non, mais en plus, le pire c'est qu'il nous a dit, il nous a regardé dans les yeux. Il nous a dit, sur les 2 yeux de ma mère, il nous a dit, en nous regardant dans les yeux, il nous a dit, ouais, vous inquiétez pas, c'est juste mon œuf. Mais en plus, mais jure pas les 2 yeux de ta mère quand tu sais qu'est-ce que tu racontes, c'est une série Netflix. Mais non, mais. Laisse-les tranquilles, les yeux de ta mère, laisse-les tranquilles. Qu'est-ce que tu nous baragouines là? Mais en fait, on partait, genre, on avait. Il y avait un sac blanc, genre. Entre les 2 portes, il y avait 2 mecs qui transportaient genre vers l'ascenseur. Quand tu te fais un sandwich et que tu l'emballes, genre c'est un peu un fil transparent quand tu emballes ton sandwich. Et ben genre c'était là dedans, mais en grand. Ouais ouais. Les gens, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Moi perso, je pense que c'est une série Netflix, c'était à Charmed ou les sœurs Halliwell là. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez, que c'est fake le resto ou que c'est réel là? C'est quoi ça? Elle ment fort. Ouais, non, mais franchement, c'est bizarre l'histoire là. Ça s'est passé quand? Mais genre, c'est impossible de mentir sur ça. Genre, c'est beaucoup trop gros pour genre, mentir sur ça. Genre. Oui, non, mais oui, mais ça fonctionne pas ce genre d'argument ici. Ça s'est passé quand? C'est il y a 1 an, 2 ans, comme ça. Là, vous avez quel âge? Là, on a 13 ans. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça s'est passé quand vous aviez un petit âge. Et maintenant, ça s'est passé il y a juste 1 an. Non, c'était il y a 1 an, 2 ans. Genre, on devait avoir. 9, 10 ans, tu vois. Il y a 1 an, t'avais 12 ans. Ouais, si! Ça sent la série Netflix, tout ça! Ça sent! Mais il n'y a pas de série Netflix sur ça, tu me baragoues pas. C'est quoi cette histoire? Elle croit la vie, c'est Netflix. Fake. Ça a l'air réel. Ça a l'air... Ouais, il y a quelques personnes qui disent qu'apparemment ça a l'air réel. Il y a quelques personnes dans le chat qui disent que c'est vrai.
Mais il y en a pas mal qui disent que c'est du mytho aussi. Alors attends, là faut nous apporter un peu plus de choses. Alors attends, il y a ta pote à côté qui a dit qu'elle a vu les fesses du cadavre, je sais pas quoi là. Et il s'est passé quoi d'autre après? Mais en fait, après du coup on est rentré chez moi. On a couru vers chez moi parce que je pensais à un bâtiment à côté, parce que c'est dans un quartier. Et on a couru vers chez moi et j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit, ouais maman, rentre vite, vite. Et du coup, ma mère est rentrée, elle m'a fait, qu'est-ce qu'il y a, ça va, nanana. Et du coup, je lui ai expliqué. Et de base, elle ne nous croyait pas et tout. Et je lui ai montré et tout. Et elle me disait que c'était bizarre, nanana, bref, voilà. D'accord. Et de base, elle voulait appeler la police et tout. Mais genre, j'avais trop peur d'appeler la police et... Mais ça s'est passé où, ça, genre Ça s'est passé en bas de chez moi. Et genre, en bas de chez toi, genre, t'habites dans un bâtiment, et genre, il y a comme des espèces de sous-sol où vous avez vu ces deux personnes-là et un qui portait un cadavre sur son épaule, c'est ça? Non, en fait, c'était pas dans les mains. En fait, ils étaient à deux, et ils tenaient dans les mains, enfin, genre... Tu vois, il était emballé dans un sac en transparent, genre, je sais pas trop comment expliquer, mais il était emballé dans un sac transparent. Non mais oui, mais ça, d'accord, ça oui, mais genre, ça s'est passé dans un souterrain, genre, et le mec qui portait le corps de ce type, dans du cellophane ou je sais pas quoi, il le portait sur son épaule, mais après ils sont partis où ces mecs-là? Mais eux, ils sont partis, en fait, on sortait du souterrain et eux, ils rentraient dedans, et ils sont partis dans l'ascenseur. Ouais, mais le pire, c'est que ça, c'est possible, c'est grave possible. Mais bien sûr que c'est possible. Non, c'est grave possible, mais ça sent la série. T'es à Amazon Prime aussi, tu vois. Non, mais. C'est. Vous avez regardé Lupin dernièrement ou. Non, franchement, je sais pas. Y a, en tout cas, dans le chat, c'est partagé de fou. Il y a des gens qui disent que c'est fake, d'autres qui disent que c'est réel. Ouais, c'est partagé de fou sur le chat, en tout cas. Pensez ce que vous voulez. Ouais. Tu fais un commentaire quand tu dis ça, mais. Non mais ok, en tout cas c'est une histoire comme les autres en tout cas. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre histoire les filles, hein. C'était cool. Merci à toi de nous avoir du coup accepté. Y'a pas de soucis, écoute. Et bah passez une bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci. en même temps. Allez hop. On a dit en même temps. On a dit en même... On est trop des copines, on a dit en même temps. Oh là là. Alors, on va appeler quelqu'un d'autre. On va tester avec cette personne-là. Hop. Ouais, mon pote. Ouais, le sang. Mais vous êtes malade ou quoi? Il y en a, vous êtes cinglés, c'est pas possible. Il y en a, vous êtes vraiment cinglés. Il est malade. Go, on est là, tranquille, il fait des bruits bizarres, là, Doom, du judo. Là, Bambi, Bou, bienvenue à toi chez les membres, chez les bébés démons, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi d'avoir rejoint, grosse dédicace à toi. Putain, on a 3700 likes, est-ce qu'on peut monter aux 4000, les gars? Est-ce qu'on peut monter aux 4000? J'ai vu qu'il y avait des dons aussi, merci aux personnes qui ont fait des dons, merci beaucoup à vous. On parle de dons, il y a un don, beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Roro22, pour tes 99 centimes, ça fait grave plaisir, mon pote, merci à toi. Je pense qu'il est l'heure de vous montrer un petit quelque chose. Salut mec, alors je sais pas si t'es au courant, mais tu peux me rejoindre ici, en cliquant sur le bouton rejoindre et devenir un membre. Tu peux aussi t'abonner, mais tu peux aussi me rejoindre. Alors clique sur le bouton rejoindre, deviens membre, clique dessus. Clique dessus. Allez, rejoins-nous et deviens membre. Là, on avait besoin d'une micro-pause, là. On avait besoin d'une micro-pause, là, parce qu'il s'est passé trop de trucs bizarres d'un coup. Il faut se calmer. Ouh, lui, il a une pépée Jujutsu Kaisen. Lui, il va nous raconter un truc de fou, lui. Jujutsu Kaisen, il va nous raconter des trucs de dingue, lui. Ouais, mon pote. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Lui? Il a là, il a Pépé Jujutsu Kaisen, il va nous raconter des histoires folles.
Là, allô, allô, tu peux activer ton micro, s'il te plaît, mon pote? Mon pote, t'es vivant ou pas? Mon pote? Vous ne répondez pas assez rapidement, les gens. Vous ne répondez pas assez rapidement. On va passer une autre personne, les gars. On va essayer avec cette personne. Allô, 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 allô. t'as quoi? Les gens sont longs à la détente. Oui, non, mais ils sont longs à répondre. C'est ça le truc qui est embêtant, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont longs à répondre, en fait. Fait qu'ils sont lents à répondre, plutôt. Et c'est ça le plus embêtant, en fait. C'est vraiment le plus embêtant de tout, en fait. Le plus embêtant. On va essayer avec une autre personne. On va essayer avec cette personne-là. Allô, allô. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Je kiffe, t'es le meilleur. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Le link du Discord. On arrive à 4000 likes, les gars. On arrive à 4000 likes. 4000 pouces bleus, je compte sur vous pour monter la barre des likes, là. Pétez-moi les likes, là. Mon pote, t'es bien ou pas? Franchement, je demande, on sait jamais, je demande, on sait jamais. Je demande. Donc les gars, on monte à 4000 likes, on refait du beatbox. Alors je ne suis pas un jukebox, ok hein? Si vous voulez de la musique, il faut mettre une pièce comme dans un jukebox. Allô? Ouais, Adam. Donc, ça va ou quoi? Eh ben écoute, c'est nickel, c'est bien. Ça dit quoi? Bien. Nickel. Est-ce que t'as une histoire à nous raconter là? Oui. Une histoire vraie et intéressante. Bah, parce que sinon, ça va pas le faire. Oui. En fait, c'était genre quand j'étais petite, j'avais 8 ans. Et genre, tu vois, je m'ennuyais. Et du coup, j'ai dit esprit, esprit, es-tu là? Et genre là, j'avais vu genre une personne qui m'avait répondu en me disant oui. Genre, j'étais choquée parce que je me suis dit, tu vois, bah, c'est pas normal, tu vois. Et le pire, c'est que j'étais genre dans ma chambre et mon frère, il était dans sa chambre. Du coup, c'est impossible que ça soit lui. Bah attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. T'as dit ton esprit, esprit, et tu l'as tout ça, truc. Et t'as entendu une voix. Oui. Mais une voix quoi, genre une voix d'homme, une voix. C'était quoi comme voix, genre? C'était une voix d'homme et qui chuchotait, en fait, genre qui parlait doucement en me disant oui, je suis là. Et genre, j'ai eu peur parce que tu vois, quand même, j'étais jeune, enfin, j'avais 10 ans quand même, faut pas abuser. Non, ouais. Genre, genre, j'étais traumatisée parce que tu vois, genre, en fait, ça peut pas être mon frère parce que mon frère, tu vois, il était dans sa chambre et moi, j'étais dans la mienne. Du coup, c'est impossible. Je me suis dit non, mais c'est une blague. Et genre, en fait, mes parents, ils n'étaient pas là parce que du coup, ils étaient allés faire les magasins. Et du coup, moi et mon frère, on est restés chez nous. Et après, il s'est passé quoi? Genre, est-ce que t'as cherché à savoir ou à comprendre d'où ça venait? Ou genre, tu t'as juste continué ta vie comme si rien ne s'était passé, genre? Bah, après, j'ai dit ça à mes parents. Mes parents, ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit, ouais, arrête de mentir, je te crois. Parce que, en fait, tu vois, mes parents, ils croient pas à des trucs paranormaux. Ils croient pas aux fantômes. Et du coup, je leur ai dit. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas vrai, t'as rêvé, arrête de mentir. Alors, voilà, du coup, ils m'ont pas cru et j'ai dit ça à mon frère. Il m'a aussi pas cru. En fait, personne m'a cru, en fait. Ils m'ont pris pour une folle, en fait. Genre. Bah, même le live ne croit pas, là. Tout le monde ne le croit pas, en fait. Mais la voix, t'as dit qu'elle disait quoi, genre? Genre, la voix, elle me disait, oui, je suis là. Donc tu disais esprit, esprit, et tu là, il te disait oui, je suis, t'entendais, oui, je suis là. Genre comme ça, oui, je suis là. Oui. Aussi, en fait, je faisais genre des cauchemars. C'est qu'en fait, je voyais genre, tu vois, il y a un homme avec, en fait, qui était tout noir, tu vois.
Genre, il était grand, il avait des cheveux noirs, en fait tout noir. Et genre, cette personne-là, j'ai rêvé de lui pendant beaucoup de temps, genre 2 ans, 3 ans. Et genre, en fait, j'ai raconté ça à mes parents, ils m'ont pas cru, ils m'ont dit « ouais, arrête de mentir ». En fait, j'ai toujours rêvé d'un homme, mais genre, j'ai dit ça à toute ma famille, mais genre, ils m'ont jamais cru, quoi. Ouais. Genre, c'était une ombre, en fait, c'est ça? Ouais. Mais tu vois, je précise que c'était énorme parce qu'il y a un con dans les commentaires qui l'a dit, sale raciste. Mais non, c'est pas raciste. Non, mais non, non. Mais non, c'est pas raciste. Casser la tête, les gens, sérieux. Tout noir, en fait. Genre, vraiment tout noir. On voyait pas son visage. Genre, le mec, il avait pas de vie. Il avait pas de vie. Mais non. Il y a un mec dans les commentaires, elle a dit, la voix, elle disait, c'est fake. Vous êtes des cinglés, les gens, putain, vous êtes tarés. Non mais après ils ont que à croire ou à pas croire. Hein. Après ouais. Voilà, c'est leur avis. C'est ta go. Non, c'est pas ma go, laissez-moi tranquille. Commencez pas les gens, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Non, je veux pécho, je veux rien pécho, laissez-moi tranquille. Ça fait trop bizarre, wesh. Du coup, c'était ça fait trop bizarre, wesh. Du coup, c'était ça ton histoire? Ouais. Bah écoute, ouais. Nickel, merci beaucoup pour ton histoire. Je pense que les gens auront peut-être kiffé ou pas, je sais pas. Faudra voir sur le chat, c'est ce que vous avez kiffé ou pas son histoire, les gens. Et puis voilà, écoute, passez une bonne soirée et à plus. Bah merci et à plus et continue tes vidéos, t'es le best et n'arrête jamais. Ok, bah écoute, et merci. Bon, de rien. Passez une bonne soirée. Merci. Allez hop, on passe à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas de problème, laissez-moi tranquille. Les gens dans le chat, vous êtes des fous furieux. C'est un truc, vous êtes des fous furieux. C'est plus fou malade, c'est fou furieux. Vous êtes des fous furieux. Des fous furieux. Quoi? La meuf à dents, il l'a fou. Arrêtez, j'ai fourré personne, laissez-moi tranquille. Vous êtes des malades, laissez-moi tranquille. Les gars, c'est pas parce que je parle à une meuf à chaque fois presque que j'ai fait des trucs. Vous êtes cinglés, vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux, sérieux. On va passer à quelqu'un d'autre, les gars. On va passer à quelqu'un d'autre. Alors, qui a-t-il? On va essayer avec cette personne. On va voir si la personne répond ou pas. Ouais, mon pote. Ça recommence. Les gens, en fait, qui viennent sur la file d'attente pour partir, ça sert à quoi que vous attendiez, en fait? Je ne comprends pas. I don't understand the alibi. Ouais, mon pote. Allô, allô. Les gars, on monte au 4000 mètres, là. Attends. Allô? Allô? Ouais, allô? C'est Jules. Non, en fait, l'histoire, en fait, c'était... Alors, en fait, c'était la nuit. Moi, mes cousins et mes cousines, on était sortis, en fait, la nuit. C'est comme l'étape de multiplication, il était en train de chanter son histoire en fait. On était avec des copains et on a vu un fantôme. Et il était en train de raconter son histoire en chantant. Complètement taré. Complètement starvé. Complètement fou. Alors est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'autre là? Ouh, Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki. Allô Naruto! Ouais, le sang, ouais, mon pote. Est-ce que tu es là ou pas? Il est en train de brûler son micro ou quoi? Wesh, il est en train de brûler son micro, ce fou. Oh, il est malade, il est en train de brûler son micro, le bug. On va passer à quelqu'un d'autre. Jojo's Bizarre Adventure, il s'appelait. Lui, ça se voit, il a renommé son truc juste parce qu'il sait que j'aimais les animés. C'est un truc de fou. Ouais, mon pote.
Ouais, le Saint est là ou pas? Oh, allô? Attends, désolé. Voilà, c'est bon. Ouais, ça va ou quoi, mon pote? Ouais, ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, là, mon pote? Alors, oui, j'ai une petite histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps avec mon ami. Raconte-nous, mec. Alors, en fait, j'étais chez moi, en fait, avec mon ami. Et on était en train de s'endormir, genre. Il était 4h du matin, à peu près. Et là, j'entends un bruit dans le grenier, genre. On dirait une bille qui tombe, genre, un peu. Alors qu'il n'y avait rien dans le grenier. Du coup, je demande à ma mère, ouais, est-ce qu'on peut aller regarder dans le grenier? Parce que j'ai entendu un bruit. Non, ouais. Donc, on va regarder dans le grenier, etc. Donc, il n'y a rien. Donc, je reviens me coucher. Et, genre, le lendemain, je me réveille. Il y a ma chambre en bordel. Genre, il y a les caisses qui sont tombées. Il y a mon horloge complètement pété. Et il y a mon portable juste à côté de moi, sur mes jambes. Et donc, je me dis, what the fuck? Je commence à prendre mon portable. Je commence à appeler ma mère, etc. Et là, j'entends une voix qui dit « Regarde la canarie !» Non mais genre, ça fait... avec une voix plus basse, genre « Regarde tes photos, etc. » Et mais genre, ça l'a fait comment exactement mes... Parce qu'on n'a pas entendu, juste c'est... Regarde... Genre ça fait comme ça à peu près. Ah, genre, regarde les photos derrière toi, derrière. Ah, voilà. Ok. C'est complètement chelou, du coup, j'ai regardé. Et là, je vois une vidéo. Donc, il fait noir. Et je vois, donc, avec la lampe de mon téléphone. Et là, je vois quelqu'un filmer moi et mon pote en train de dormir. Donc, la vidéo, elle dure à peu près. T'as reçu une vidéo d'un mec oui. qui est en train de vous filmer en train de dormir, toi et ton pote? Oui, oui. Du coup, je commence à paniquer, je commence à appeler ma mère. On est parti voir quand même les flics, parce que quand même, faut pas abuser. Et abuser, ouais. C'est pas très gentil de filmer les gens quand ils dorment. Les gars dans le chat, vous en pensez quoi? Ah, oh, ça m'a traumatisé. Ah, c'est grave bizarre, ce truc. C'est grave bizarre, ce truc. Mais genre, c'était pas un oncle du côté éloigné de la famille ou quoi qui te filmait que tu connaissais pas, genre, ou c'est vraiment un mec bizarre qui est venu vous filmer? C'est vraiment un mec bizarre parce que genre, c'était vraiment chelou, même de la manière dont il filmait, genre, il partait un petit peu en zigzag, genre. On veut la vidéo. Il y a un mec dans le chat, il a dit on veut la vidéo. On veut la vidéo, mec. Putain, mais je sais pas si je peux l'envoyer sur Discord ou quoi. Je sais pas, attends, je regarde mon appareil photo si je l'ai encore. On veut la vidéo, mec. Je regarde au cas où. Les gars dans le chat, on veut la vidéo ou pas? Je sais plus, je crois que je l'ai supprimé. Ça, c'est ce qui va faire que c'est fake ou réel, mec. Les gars dans le chat, on veut la vidéo ou pas? Attends, je regarde. On veut la vidéo? We want the video. So, my friend, give us the video. Putain, non. Je l'ai effacé, je suis désolé. Ah bah. Je l'ai effacé parce que ça m'a fait trop peur. Flûte. Plus alors. C'est dommage, mec, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah écoute, gros, merci beaucoup pour ton histoire quand même, ça fait grave plaisir. Et. Merci. Et écoute, mec. Attends, je peux dire le mot de la fin? Un mot de la fin, vas-y. Oui. Bah, continue comme ça, t'es le best des youtubeurs, tu mérites 100 millions d'abonnés et je te souhaite une bonne continuation. Bah, merci, mec, ça fait plaisir. Passe une bonne soirée, mon pote. À toi aussi. Il y en a un dans le chat, il a mis vidéo or consequence. Delete now or consequence. Ouais, non, mais les gars, c'est. J'ai pas la vidéo, il a pas la vidéo. Flûte alors. Quel dommage. Ah, ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Flûte.
Non, j'ai une pipe en moi. Non, j'ai une pipe en moi. On n'aura pas la vidéo ce soir, les gars. On n'aura pas la vidéo. Hein. On n'aura pas la vidéo. Alors. Qu'est-ce qu'on va appeler maintenant? Nom d'une pipe en bois. Flûte alors. Il a effacé. Il a effacé la vidéo. On va essayer d'appeler cette personne-là. Ouais, mon pote. Allô? Ouais, ça va ou quoi? Ah, tranquille, et toi? Nickel, tranquille, mon pote. Ça dit quoi? Ah bah tranquille, là, je passe ma meilleure vie, là, j'étais dans mon lit, là, tranquille, je vois ton live. Du coup, je me suis dit j'allais venir, quoi, parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui parlait, donc voilà, quoi. Ah, bah c'est plaisir, mec, est-ce que t'as une histoire de fou à nous raconter, là? Alors, ouais, en fait, tu vois, genre, j'étais en voyage, donc avant la pandémie, là, et j'étais au Canada, là, tu vois, genre en avion, tout ça, j'arrive, c'était en été, et en gros, bah, tu vois, on était en train de se balader tranquille avec mes parents dans la forêt, et on faisait une petite randonnée, quoi, tu vois, tranquille, on profitait des montagnes, du paysage. Et puis voilà, quoi, tout se passait bien. Bon, il y avait du vent, par contre, tu vois. Du coup, c'était un peu, il y avait du bruit, tout ça, c'était chaud, quoi. Donc, au début, bah, tout se passe bien. Et genre là, au bout d'un moment, je commence à pas me sentir bien. Genre, je sais pas, j'ai un pressentiment, tu vois. Et genre, en gros, ensuite, je vois, genre, je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a un élément dans le décor, tu vois. Genre, j'arrive, je vois une ombre. Et là, l'ombre, eh ben, c'est... Je pensais que c'était un cochon d'Inde au début, tu vois. Mais non, c'était pas un cochon d'Inde, c'était un écureuil. Et du coup, j'ai eu peur pour rien. Voilà. Et du coup, j'ai paniqué, mais parce que tu sais, au Canada, il y a aussi des jaguars et des ours. Donc, j'ai cru que c'était un ours, quoi. Donc, voilà. Alors, mon pote. Bah. je sais pas, mais est-ce que tu vois à peu près la taille d'un cochon d'Inde? Tu vois, bah, ça se tient dans une main, tu vois. Est-ce que, ouais, maintenant, alors... est-ce que tu vois la taille d'un ours, maintenant? Oui, effectivement. Bon, après, ça dépend de la taille, hein, parce qu'il y a les ours bruns, voilà, ça dépend, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu grand, quand même. Bah, mais oui, bon, tu sais, genre, voilà, de loin, au début, j'étais pas sûr, quoi. Mais du coup, voilà, okay. Quoi. Voilà. Ok, sinon, mon pote. C'est rien de plus, quoi. Nickel, on peut du coup c'était son histoire. Ah bah ouais, après si on peut parler de d'autres trucs, mais bon genre moi après j'ai eu des histoires, tu vois, un peu plus paranormales, mais c'est des trucs genre par exemple, tu vois, quand je dormais tranquille, et bah après des fois dans ma chambre il y a des trucs, mon gars, mais c'est n'importe quoi, genre par exemple, tu vois, j'ai des objets dans ma chambre, tu vois, genre j'ai mon bureau, une armoire juste à côté, tu vois. Ouais. Et en gros, j'ai plein d'objets qui sont posés parce que tu vois, c'est genre, je mets des objets que je rapporte de voyage, quoi. Ouais. Et en gros, il y a plein de. Des fois, il y a des objets, genre, ils mettent à tomber tout seul. Mais genre, moi, je me dis, mais c'est quoi le bordel, quoi. Genre, des fois, j'arrive chez moi, je suis en train de regarder un film Netflix ou tu vois, une vidéo YouTube. Mmh, et ouais. Genre, là, il y a un objet, mon gars, mais genre, attends, parce que c'est flippant. Genre, attends, il y a un livre, tu vois, genre, il était posé au calme, et là, il tombe tout seul. Et genre, ça m'a fait flipper, parce que, genre, ça m'a fait sursauter, quoi. Et au début, je me disais, mais c'est quoi ce bordel, quoi, parce que c'est peut-être la gravité, tu vois, mais, c'est chelou, quoi. Ouais, parce que, putain, il y en a dans le chat. Comme ça, il y en a un dans le chat, il a dit, il a vu le titan colossal, il a dit, maman, c'est quoi ce truc? il a vu le titan colossal, en fait. Très clair. Non, mais des titans, frère, je sais pas, moi, mais. Ça, il a confondu un cochon d'Inde avec un titan colossal, en fait. C'est ça, en fait. Ah oui, non, oui. Ouais, non, mais ça, c'était, ouais, non. Mais pour de vrai, voilà, après, je sais pas, genre, vraiment, des fois, tu te dis, ouais, bon, pourquoi pas, quoi, mais. Pourquoi tu te dis à ce moment-là l'objet tombe alors qu'il est là, il est posé là depuis 3 mois et d'un coup il tombe. Genre, je me dis, c'est quand même bizarre, tu vois. Genre, c'est ouais, c'est un peu chelou, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, du coup, mon pote, merci beaucoup pour tes deux histoires. Du coup, c'était cool.
Pas de soucis. Et on te et souhaite un truc à la ouais, fin. Ouais, vas-y. Un truc. Donc du coup, ouais, bon, du coup, tes vidéos, tout ça, bon, et tout le batatra, bon, tu sais déjà. Je vais pas te le dire redire, bon, mais du coup, c'est très bien. Et par contre, le Wendigo, là, moi, je veux une vidéo dessus, d'accord. Tu me fais ça dans la semaine, dans deux semaines, de trois jours, hein. Comme ça, on est bien. Et puis voilà quoi. Sinon, on continue comme ça, c'est parfait, hein. C'est, ça me met de la bonne humeur. Puis voilà. Ciao. Ciao, mec. Vas-y. Alors, mec, tu me donnes pas d'ordre. Alors, on voit le bannière du serveur, lui. Où est-ce qu'il est? Tu me fais ça dans la semaine, tu... C'est quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas, non. Tu me fais ça dans la semaine, tu m'envoies ça, tu... Hop. Et tu me balances ça là, d'ici là. T'es complètement fou, mec. T'es complètement taré, mec. Mais les gens, j'espère que vous aurez kiffé ce deuxième live de la deuxième radio. Oui, c'est... deuxième live de la deuxième radio sur la chaîne. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'était cool. Comme d'habitude, il y avait des petits fifous de partout. Putain, ça fait deux heures qu'on live. J'ai même pas vu le temps passer. Mais les gens, très bientôt, il y aura une autre édition de la radio Horreur. Vous inquiétez pas, ça revient. Pour les gens pour les gens qui ont attendu pendant longtemps et qui ne sont toujours pas passés, je suis désolé. Voilà. Mais j'essaie de faire passer le plus de personnes. Le truc, c'est qu'on attend beaucoup, en fait, entre les appels à cause des personnes. Enfin, à cause... Par rapport aux personnes qui répondent pas, tout ça. Mais en tout cas, j'essaierai de vous refaire passer au maximum la prochaine fois, les gars. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres. Vous aurez d'autres chances de passer. Mais les gens. Il est cinglé. Les gens, n'hésitez pas, pour ceux qui voient la rediff, si jamais je la mets, à mettre un maximum de pouces bleus. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Dès qu'il fait la vie. Salut mec! Alors je sais pas si t'es au courant mais tu peux me rejoindre ici en cliquant sur le bouton rejoindre et devenir un membre. Tu peux aussi t'abonner mais tu peux aussi me rejoindre. Alors clique sur le bouton rejoindre, deviens membre, clique dessus. Allez, rejoins-nous et deviens membre.